Tout va bien. Bon, c'est ça qui m'a beaucoup fortifié tellement. Parce qu'avant,
Avant, j'ai prié, même je me rappelle, un jour, j'avais prié que je ne veux plus, Seigneur, je ne veux plus être persécutée. Bon, ça, je me rappelle, ça me fait même rire parce que je ne comprenais pas encore que l'enfant de Dieu se fait, c'est la souffrance, ce sont les épreuves. Et que celui qui souffre, il souffre pour Jésus, parce que Jésus, lui, qui était sur la terre, nous, il a beaucoup souffert. Bon, nous sommes obligés de traverser cela. Bon, c'est ce que moi, j'ai compris. Alléluia, gloire à Jésus. Acclame le Seigneur pour. Oui, maman, vous voulez parler? Parce que j'ai vu votre main gauche. Vous voulez parler? Pas vraiment, mais vous avez compris quand même. Amen. Qui d'autre? Les frères? Le bien-aimé qui a fait la lecture, c'est vous, non? Rappelez-moi votre nom. Philippe, frère Philippe, il faut nous dire ce que tu as compris, ou bien ce que tu as retenu de l'enseignement d'hier. On va poursuivre, mais c'est important pour moi. Non. Shalom, shalom. Moi, ce que j'ai retenu dans l'enseignement d'hier, c'est que après ce qui va se passer, bon, on a posé des questions et on a répondu par la parole de Dieu. Les questions qu'on a posées, il y avait que se passera-t-il après la résurrection? Que se passera-t-il après la résurrection? On a lu. On a également posé est-ce que ceux qui sont morts en Christ vont aussi ressusciter? Vont ressusciter au dernier jour? On a également posé est-ce que la résurrection sera consécutive ou simultanée? On a aussi posé la question est-ce que déjà, pour la première question, on a lu Daniel 12, verset 2, qui répond à la deuxième question, qui dit que ceux qui sont morts, que ceux qui sont morts en Christ soient avec Christ, tous vont ressusciter. Tous vont ressusciter au dernier jour. Dans Daniel, chapitre 12, verset 2. Tous ceux qui sont dans la tombe vont se réveiller. Les uns pour la mort, pour la vie éternelle, les autres pour le pauvre éternel. On a également lu 1 Thessaloniciens 4, verset, à partir du verset 16, qui disait que nous ne savons pas que les morts en Christ ont ressuscité premièrement. On l'a ressuscité premièrement. Et nous qui sommes ici, nous allons rejoindre dans les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est à partir de là qu'on a pu répondre. La question sur la résurrection sera simultanée ou consécutive. Amen, Jésus. Bon, au moins, tu as dit ce que tu as retenu. Est-ce que tu crois à tout ce que tu as dit? Est-ce que tu crois à tout ce que tu as dit? Bon, c'est vrai que je ne comprends pas encore très, très bien, mais à votre esprit, je vais m'amener à comprendre. Parce que je sais que tu ne crois pas encore à ce que tu es en train de dire. Voilà pourquoi je t'ai donné ça. Mais le Seigneur va bien te l'expliquer. Et tu peux me rencontrer aussi après pour qu'on puisse parler. On va parler terre à terre et on va se comprendre. Oui, sœur Dorcas, pour finir. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Hier, le thème était la résurrection des morts. L'homme de Dieu a d'abord commencé par poser cette question. La première question, viens plus près du micro. Hein. La première question, il a demandé qu'est-ce qui va se passer à la résurrection des morts.
La deuxième question, il a posé la question de savoir quelle sera la destination finale de l'âme, l'esprit et le corps. Ensuite, l'autre question, est-ce que les saints seront-ils jugés et les injustes vont-ils ressusciter? Ensuite, l'autre question, est-ce que nous allons habiter, où est-ce que nous allons habiter ce Jésus? En fait, on parlait du bloc glorieux. Et la dernière question qui était la suite de la cinquième question était de savoir si la résurrection sera consécutive ou simultanée. Ensuite, il a commencé par dire que, en fait, c'est ce que j'ai retenu, que la résurrection est une doctrine chrétienne. Ce n'est pas une invention. Parce qu'on a lu le livre de Corinthiens où on disait que la résurrection est biblique, que Jésus est vraiment ressuscité. Ensuite, on a vu que Jésus est le premier ressuscité, le premier des vivants, et c'est lui qui est le seul qui a traversé le ciel. Il est le seul qui porte le vêtement glorieux. Par là, on a encore compris, en fait, la vérité selon laquelle il y avait les êtres au ciel qui avaient des corps glorieux a été effacée du matériel. Parce qu'hier, je pensais qu'au ciel, Abraham, Sarah et tout ça avaient des corps glorieux. Oh, hier, j'ai compris que ce ne sont que des âmes qui sont calmées, qui sont consolées par le Seigneur dans le paradis. Mais attends, maintenant, est-ce que là-bas, ils sont dans la joie quand même? Oui, ils sont dans la joie. Mais ils n'ont pas encore revêtu le corps glorieux. Continue. Hier, yeah, on a encore compris que, en fait, ce qui m'a vraiment marqué hier, c'est qu'on a dit qu'après, entre la mort et la résurrection de Jésus, c'est passé quelque chose. Jésus est descendu en enfer pour prêcher ceux qui étaient morts depuis Adam, qui ne connaissaient pas encore le salut. Et il y a eu des morts qui ont ressuscité. Quand son esprit l'a quitté, la terre a tremblé parce que la terre n'a pas pu supporter le prince de la vie. Et on a aussi vu que les arbres se sont fendus. En fait, il y a eu beaucoup de grâces et les morts, les seuls ont ressuscité. Et c'était une résurrection miraculeuse, ce n'était pas une résurrection de l'esprit. Okay. Ensuite, maintenant, on a encore dit beaucoup de choses telles que quand Siméon a vu Jésus, il a déjà vu le salut, il était content. Et on a encore vu que les anges ne l'ont jamais vu Jésus. Ils étaient très très contents de voir. Et quand Jésus est né, ils étaient très contents de voir enfin qui était Jésus. Et ce qui m'a marqué, c'est que nous sommes des êtres vivants. Mais Dieu se révèle à nous. Donc ça veut dire qu'on le voit même plus que les anges. Donc j'étais très très contente de savoir que Dieu qui est Jésus se révèle à moi, à nous qui sommes les humains, mais aux anges, même ils n'ont pas pu le rencontrer. Donc ça m'a encore fait comprendre que Dieu m'aime tellement. Je riais quand il pense à ça. Amen. C'est bon. Sois béni. Vous êtes tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour cette compréhension de tout ce qui a été fait hier. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui nous restaure. Sans la parole de Dieu, on ne peut rien connaître. On est vide. Et c'est la parole de Dieu qui nourrit notre vie et notre esprit. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui ressort directement du thème principal. Vivre pleinement la vie de l'esprit pour des expériences vivantes et surnaturelles. Et vous allez constater que depuis que j'ai commencé, depuis le lundi, il y a un verset que je n'ai pas encore mentionné, qui est le verset principal qu'on a mentionné dans la publication de la semaine, qui est le verset de Philippiens 3, le verset 3, qui concerne tout le programme, qui concerne tout ce que nous allons faire. Et notre enseignement de ce soir va beaucoup plus se baser sur ce passage. Donc le thème sera trouvé dans ce passage. Lisez-moi Philippiens 3, le verset 3. Est-ce que j'ai donné le thème de l'enseignement de ce soir? Non. Le thème, c'est le culte spirituel.
le culte spirituel. C'est le thème de notre enseignement de ce soir. Nous allons connaître, nous allons comprendre ce que c'est que le culte spirituel. Parce que nous sommes appelés à servir Dieu, à adorer Dieu. Quand vous faites souvent le culte ici, qu'est-ce qu'il s'agit réellement? De quoi s'agit-il? Voilà, le culte spirituel. Dans le culte spirituel, nous allons parler aussi de beaucoup de choses. Nous allons parler d'une notion sur la notion sur l'invocation, la notion sur l'adoration, la notion sur la méditation, sur la prière, sur les louanges, sur les offrandes, sur le sacrifice devant Dieu et sur beaucoup d'éléments. Parce que le culte va avec toutes ces choses. Nous allons aussi parler de du chant et aussi de la musique qui accompagne le chant d'adoration. Allez-y, Philippiens 3:3. Philippiens 3, le verset 3, je l'ai enregistré. Car les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. D'où le terme, le culte spirituel. Parce que nous rendons notre culte à Dieu par l'Esprit. Et qui? Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Oui, nous nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mentons et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, puisque nous avons déjà vécu la chair, le martyr, on a vécu la chair, ses œuvres. Et Dieu nous a ressuscité en esprit. Il faut maintenant que nous devenions des adorateurs de Dieu. Parce que nous sommes appelés à être des adorateurs. Et nous sommes appelés à servir Dieu tant à servir Dieu par un culte spécial, qui n'est pas un culte terrestre, mais un culte spirituel. Qui n'est pas un culte charnel, mais un culte spirituel. Nous devons savoir que le culte est utilisé lorsque Dieu ou lorsque la divinité s'accorde avec l'humanité pour faire naître un modèle ou un style d'adoration. Le culte, c'est quand le divin ou quand Dieu s'accorde avec l'humanité, avec les hommes, pour faire naître un système d'adoration, un système ou un modèle d'adoration envers Dieu. Le culte peut être aussi une forme de religiosité ou une forme de religion qui est faite à l'endroit d'un concept qu'on s'est établi nous-mêmes ou des formes d'idéologie qu'on a développé nous-mêmes, ou des formes de croyances qui peuvent ne pas être des croyances envers Dieu ou même des croyances envers nous, ce que nous appelons Dieu ou ce que nous trouvons supérieur à nous-mêmes. Parce qu'on rend culte à ce qui nous est supérieur ou bien à ce que nous-mêmes nous prenons et que nous à qui nous donnons une place de supériorité dans notre vie. D'où le livre de Hébreux 7, le verset 7 qui nous dit que le supérieur, l'inférieur plutôt, est béni par le supérieur. L'inférieur doit adorer le supérieur et c'est lorsqu'il adore le supérieur, lorsqu'il se soumet à son supérieur, qu'il est béni en retour par le supérieur. Donc le culte ici est un culte spirituel. C'est une forme d'adoration, une forme de religion, si je peux le dire ainsi, qui s'adresse à Dieu, qui se tisse entre la divinité et l'humanité, entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire des hommes qui sont appelés par un Dieu, qui sont appelés à le servir. Et puisque ce Dieu a une dimension spirituelle, il faut que les hommes aussi rendent un culte spirituel à ce Dieu. Donc nous devons aussi comprendre que le culte est un événement spirituel. Le culte est un
événement spirituel ou quelque chose de spirituel qui n'est pas en réalité d'eux dans la connaissance ou dans la compréhension des choses charnelles, des choses humaines. C'est pourquoi dans le culte, il y a ce qu'on appelle les sacrifices. Dans le culte, il y a ce qu'on appelle les offrandes qu'on donne à Dieu ou qu'on donne à ce qu'on sert ou ce qu'on adore. Dans le culte, il y a aussi les libations. Il y a ceux du monde qui font des libations aux dieux étrangers, ils font des libations à la reine du ciel, ils font des libations à Satan, des sacrifices, ils offrent assez de choses. Ils prononcent des paroles en l'honneur de leur Dieu. Mais nous, à leur différence, c'est que nous, notre culte est spirituel et ce culte est adressé envers Dieu. Donc, dans les Écritures, Dieu a représenté premièrement une forme d'adoration par Moïse. Et cela a été le culte de Dieu avec les hommes sur la terre. C'était le moyen de Dieu de pouvoir rapprocher l'homme de lui. C'est là où Dieu a demandé à Moïse de faire le tabernacle dans le désert, lorsqu'ils étaient dans le désert, là où il a reçu les tables de pierre sur lesquelles sont inscrits tous les commandements, surtout les 10 commandements du Seigneur sont inscrits sur ces tables. Et dans le tabernacle, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui vont nous permettre de vraiment décoller dans notre enseignement pour comprendre ce qu'est réellement le culte spirituel. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus mettre ta confiance en la chair, dans l'adoration, mais tu vas servir Dieu dans un culte spirituel qui lui est agréable. Parce que Dieu veut que nous puissions lui offrir nos corps pour faire un culte qui lui est agréable, un culte qui lui est honorable. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Hébreux 8, verset 5. Dans la foulée aussi, nous allons parler sur le concept du Dieu des esprits des prophètes. Nous allons comprendre, quand on nous parle du Dieu des esprits des prophètes, dans Apocalypse 2, nous allons comprendre de quoi il s'agit réellement. Ça va nous aider à agencer tous les éléments qui vont nous permettre de rendre à Dieu un culte spirituel, un culte exceptionnel. Nous serons des enfants de Dieu qui adorent Dieu, non selon la chair, mais selon l'esprit. Quand on dit selon l'esprit, c'est selon la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine, vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des justes. L'adoration en esprit, c'est d'abord la connaissance du vrai Dieu. On va continuer et nous allons découvrir ensemble, paisiblement par la grâce de Dieu. Vas-y. Hébreux 8. Le verset essentiel et le verset principal, c'est le 5. Mais je veux que tu commences par le premier verset du chapitre. Hébreux 8 à partir du premier verset. Oui. Du nom de Jésus. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Donc il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes sans la loi. Non, selon la loi. Selon la loi. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, est-ce que lui fut-il dit de tout faire, tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne? Mais maintenant, donc on lui dit de tout faire selon le modèle de ce qui lui a été montré sur la montagne. On parle de culte, on parle des images, on parle des ombres, des choses célestes. Et ces images, en réalité, sont des choses qui se retrouvent au ciel. Mais comme Dieu voulait révéler
comment il faut l'adorer, comment il est adoré au ciel, comment les anges le servent et lui rendent un culte spirituel. Il fallait qu'il passe par les choses que l'homme connaisse, les images que l'homme peut voir pour se représenter ce que Dieu est ou ce que Dieu peut être. C'est pourquoi Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, il lui a montré comment le temple sera, un tabernacle où il y a voilà, des parties. Cette partie, nous allons voir ça dans le livre de Hébreux. Hébreux 9. Vous allez nous lire encore. Hébreux 9, le nom de Jésus. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Voilà. Et le sanctuaire terrestre. Oui. Un tabernacle fut, en effet, construit dans la partie intérieure, appelé le lieu saint. Un tabernacle fut, en effet, conçu dans la partie antérieure qu'on appelle le lieu saint. Appelé le lieu saint. Était le chandelier. Oui, le chandelier. La table. Oui. Et les pains de proposition. Oui. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelé le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Oui. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Oui. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Oui. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes, des sacrifices qui ne peuvent le rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce lieu. Amen. Amen. On va expliquer. On nous dit qu'il y a un tabernacle qui a été formé. Dieu a averti divinement Moïse. En réalité, c'est l'image de tout ce qui se trouve au ciel que Dieu a ramené sur la terre. C'est comme s'il l'a transposé. Et il donne des ordres à Moïse de comment il faut disposer tous les ustensiles du temple, disposer la partie extérieure ou le parti extérieur, la partie antérieure qui est le lieu saint et le saint des saints qui en va appeler le lieu le plus saint ou le lieu très saint. C'est la disposition même du ciel, du grand temple de Dieu, que Dieu lui a révélé pour lui montrer comment se passe le culte. Et tous les éléments qui ont été inscrits, tous les éléments qui ont été énumérés dans le verset 4, là où il parle de l'or, l'autel d'or, pour les parfums, l'arche de l'Alliance, entièrement couvert d'or, et un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, et tous ces éléments avaient leur signification tellement spécifique et qui aujourd'hui n'ont pas une portée, ou bien n'ont plus une portée physique ou charnelle, mais ont une portée spirituelle. Donc le culte qui était fait était une image. On pouvait voir l'autel des parfums. On pouvait offrir des sacrifices pour brûler de l'encens, pour que les prières montent au ciel, les prières de ceux qui ont apporté les sacrifices, de ceux qui ont apporté les offrandes, pour que ces prières montent au ciel comme signe en forme de parfum. Mais aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin que nous puissions lui offrir directement des holocaustes ou lui offrir des offrandes charnelles qui étaient faites en ce temps, mais des offrandes beaucoup plus spirituelles. Pour que nos prières puissent monter vers lui et notre adoration puisse monter vers lui. Les choses qui ont été représentées, les choses célestes qui ont été représentées et qui ont été données à Moïse, attestent que nous devons
servir Dieu aujourd'hui, nous devons adorer Dieu, mais avec une conception beaucoup plus spirituelle. Moïse a reçu les choses du temple, il a reçu les informations célestes, il a énuméré les choses et il a établi une forme d'adoration. On nous a dit que les 10 commandements étaient dans le Saint-Esprit, étaient dans le lieu très saint. La table, les tables de pierre se retrouvaient dans le lieu très saint. Ce qui veut dire que dans le lieu très saint se retrouvent les commandements de Dieu, les lois de Dieu, les paroles de Dieu. Mais en ce moment, ce n'était pas ce qui est parfait. Parce que le voile empêchait toujours. Le voile était là. Et on dit que le Saint-Esprit empêchait les souverains sacrificateurs d'y entrer. Pour nous dire quoi? Que c'est un symbole pour nous signifier que le lieu très saint ou le Saint-Esprit n'est pas encore ouvert. Le Saint-Esprit n'était pas ouvert au temps de Moïse parce qu'il ne pouvait pas avoir d'accès. Et c'est quand Jésus a été crucifié sur la croix que le voile qui couvrait la partie antérieure et le lieu très saint a été déchiré pour nous dire que nous avons maintenant accès au lieu très saint. Quand nous parlons de la manne, nous voyons l'explication de la parole de Dieu. Quand nous voyons l'autel, quand on nous parle de l'autel, nous voyons l'autel du Seigneur qui est la croix par lequel aujourd'hui nous pouvons nous connecter à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de contact entre le monde spirituel et le monde des hommes sans qu'il ne soit formé un autel. Donc, c'est un principe spirituel que Dieu lui-même avait déjà établi. Pour que Dieu vienne interagir, Dieu vienne parler, Dieu vienne agir avec les hommes, il faut qu'un autel soit formé. Sur l'autel, il y a des libations qui se font. Sur l'autel, il y a des prières qui se font. Sur l'autel, il y a des sacrifices qui se font. Sur l'autel, il y a assez de choses qui se font pour tisser une alliance avec Dieu. Parce que Dieu est spirituel. L'esprit est spirituel. On ne voit pas Dieu. Donc, par ces éléments, on essaie d'attirer Dieu, ou bien on essaie d'attirer l'empathie de Dieu, on essaie d'attirer la réponse, l'exaucement à nos prières par le contact de l'autel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes plus appelés à former des autels que nous appelons des contacts entre Dieu et nous, mais Jésus a été le seul qui a formé l'autel pour. Donc, lorsque nous sommes connectés à Jésus et à sa mort et à sa résurrection, nous sommes connectés à l'autel de Dieu. C'est sur l'autel de la croix que tout a été fait. Voilà pourquoi la croix, il a fait le sacrifice pour accomplir les sacrifices. On nous parle d'un bouc qui était immolé, des agneaux, des béliers, des bœufs qui étaient immolés pour pouvoir purifier les ustensiles du temple, pour pouvoir sanctifier les éléments qui étaient dans le temple. Parce que tout d'après la loi est sanctifié, est purifié par le sang. On parle de l'aspersion du sang. Donc on purifie toutes choses pour donner une image que même les choses qui sont dans les cieux doivent être purifiées par Dieu. Les éléments qui sont dans les cieux en réalité doivent être purifiés par Dieu. Voilà pourquoi le sang pouvait purifier les éléments. Il y a beaucoup de choses. Si on va tout lire, on ne va pas vraiment piquer ici. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer les choses. Chacun peut aller lire le chapitre de Hébreu 8 à la maison, le chapitre de Hébreu 9 et de Hébreu 10. Vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire. Donc, il faut que les éléments célestes soient aussi purifiés. Voilà pourquoi quand Dieu a montré le tabernacle à Moïse, il lui a insisté que le sang soit appliqué sur tout ce qui est dans le tabernacle, et même sur le tabernacle, le sang était appliqué. Parce que tout d'après la loi est purifié avec le sang. C'est pourquoi on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi Jésus a versé son sang, pour que son sang soit un sang éternel. Pour qu'on n'ait plus besoin de verser le sang, de mettre le sang sur les portes des lecteurs ou de nos maisons, ou même de mettre le sang sur l'autel pour être connecté à Dieu.
Parce que le sang est comme une connexion. C'est aussi comme un élément qui nous connecte au divin, qui nous connecte au spirituel. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un sang beaucoup plus parfait. Et c'est par Jésus qu'il a rétabli le chemin. Il a rétabli le chemin qui mène vers le lieu très saint. La voie qui mène vers le lieu très saint pour que la véritable adoration soit restaurée. Moïse faisait une adoration. Le peuple d'Israël adorait l'Éternel, adorait Dieu, mais n'était pas encore dans ce qui est parfait. Ils adoraient Dieu par ce qui leur a été montré. Mais c'était juste des images. C'était juste le superficiel. C'était juste le passager. Parce qu'en ce temps, beaucoup n'étaient pas spirituels. Ce n'est pas les prophètes qu'on se connaît à Dieu ou qu'on connaît Dieu ou on fait une image de Dieu. Mais aujourd'hui, tous, nous pouvons nous connecter à Dieu par la connaissance de Jésus et par le plus grand autel qui a été formé aujourd'hui pour que nous puissions adorer Dieu. Jésus, à la croix, nous a formé l'autel le plus parfait. Parfait. Et l'autel qu'il a formé subsiste encore juste aujourd'hui. Voilà pourquoi dans 2 Timothée 5, 10, on nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc c'est lui qui a établi la médiation pour que nous puissions être connectés à Dieu et commencer maintenant à adorer Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est clair dans les esprits? Est-ce que c'est clair? Nous allons continuer. Nous ne pouvons pas parler de culte sans parler de l'invocation. Le culte est relié à l'invocation. L'invocation. Et pour parler de l'invocation, il faut connaître aussi l'origine du mot invocation. L'origine du mot invocation. Ce sont des éléments qui nous parlent du culte. Quand on parle du culte, il faut voir en même temps l'invocation. Quand on parle du culte, il faut voir aussi les offrandes. Quand on parle du culte, il faut voir aussi les sacrifices. Voilà pourquoi, quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous apportons nos offrandes. Pourquoi? Parce que c'est un acte physique qui démontre que nous sommes en train de rendre culte à Dieu. Mais aujourd'hui, le culte que Dieu demande le plus est beaucoup plus que les offrandes. Dieu a besoin de nos offrandes, mais ce qu'il demande d'abord, c'est que nous puissions aussi offrir notre corps comme Jésus a offert son corps. On dit, par l'offrande du corps de Christ, nous avons été sanctifiés, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés. Donc nous aussi, nous devons offrir notre corps sans accepter tous les autres éléments qui peut nous connecter à Dieu. Même nos offrandes aussi peuvent nous connecter, mais le plus grand que Dieu recherche, c'est que notre corps lui soit donné. L'histoire nous révèle l'origine de l'invocation. Parce que lorsque nous parlons d'adoration ou de culte, nous parlons de l'invocation. Le nom de l'Éternel fut depuis ce jour, un jour de culte et d'invocation, commençant par Enoch, l'homme qui a marché avec l'Éternel et fut enlevé. Ça se trouve dans Genèse 5, le verset 24. Quand je parle de l'histoire qui montre l'invocation, cela a commencé avec Abraham. Abraham que Dieu a appelé, Dieu lui a dit de sortir de la maison de son père depuis Genèse 12. Vous pouvez voir ça dans Genèse 12, le verset 1 au verset 8. On ne va pas lire ça ici. Mais vous allez garder ça en vous. L'Éternel dit à Abraham de quitter la maison de son père. Et c'est dans ce cheminement maintenant que Abraham a pris, a commencé à invoquer le nom de Dieu, a invoqué le nom de l'Éternel parce que Dieu lui a fait des promesses. Quand on continue, on voit dans le chapitre 4 tout ce qui se passe. Dans le livre de Romains 4, le verset 13, on nous dit aussi que Abraham a reçu les promesses de la part de Dieu et l'héritage du monde qui lui a été donné uniquement par sa foi.
Sa foi est venue lorsqu'il a commencé également à invoquer le nom de l'Éternel, à invoquer Dieu. Donc quand nous parlons du culte, nous voyons directement l'invocation de Dieu. Or, nous savons très bien qu'on ne peut invoquer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut invoquer un Dieu qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi nous allons connaître, nous allons aller dans une profondeur pour connaître le nom de Dieu, le nom éternel de Dieu. Ou bien quand on parle du Dieu éternel, de quoi il s'agit? Nous allons voir le nom de l'Éternel pour toute l'éternité. Alléluia. Nous devons savoir aussi, quand nous parlons du culte, de l'adoration ou de tous, de l'invocation, ça concerne d'abord un peuple qu'on appelle le peuple hébreu ou le peuple d'Israël. C'est d'eux que nous sommes venus, le culte, l'adoration, les promesses, l'héritage. L'apôtre Paul l'a dit dans Romains 9, le verset 4. D'abord, commençons par le premier verset. Est-ce que vous pouvez me lire ça? Romains 9. Romains 9, à partir du premier verset, le 4, le 5 et le 6. Romains 9. Romains 9 dit le nom de Jésus. Oui. J'ai dit la vérité en Christ. Oui. Je ne mens pas. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être en appel et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israël, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches et le qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Il dit les patriarches, les promesses, l'héritage. Toutes ces choses sont venues d'Israël. Et le Christ même est issu d'eux selon la chair. Donc, aujourd'hui, nous adorons Dieu. Aujourd'hui, nous avons la connaissance de Dieu. Mais c'est à cause de son alliance qu'il a tissé avec le peuple d'Israël. Cette alliance, il a commencé d'abord avec le grand-père Abraham, qui est le père de la foi. Il a pris Abraham, il dit, « Sais-moi, suis-moi, sors de la maison de ton père, et je ferai de toi un père, une multitude de nations. Je ferai de toi un père des nations. Je ferai de toi un homme béni, et tes enfants, tes fils, ta génération, ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel ou même au sable des mers, au sable de la terre. » C'est comme ça l'histoire du monde de, avec l'adoration du Dieu d'Israël a commencé. Voilà pourquoi souvent on le nomme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, d'Isaac et le Dieu de Jacob, à cause de l'alliance qu'il avait tissée avec tous ces hommes. Donc nous sommes connectés aujourd'hui à l'adoration par le Dieu d'Abraham, par le Dieu d'Isaac, par le Dieu d'Israël, par le Dieu des anciens ou de Dieu de nos patriarches qui sont les prophètes de Dieu également. Alléluia. Nous allons attaquer vite par la révélation que Dieu avait donnée à Moïse lorsqu'il a rencontré dans Exode 3, le verset 6. Exode 3, le verset 6. Exode 3, le verset 6, je m'en dis. Et l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Oui. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira et son sein de son sein. Et voici. Vous avez lu le verset 6. Exode 3, le verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que nous font passer les oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire. Va au verset 10. Exode 3, le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi. Oui. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Oui. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Très bien. Il dit, je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Je suis. Il faut que nous puissions comprendre ce que c'est que Je suis. Quand on dit Je suis, nous savons que ce n'est pas directement un nom, mais il est en train de conjuguer le verbe être au présent, n'est-ce pas? Ou bien on peut dire au présent de l'indicatif. Il dit je suis, ça c'est mon nom. Donc le fait que Dieu lui dise je suis, il est en train de lui montrer qu'il est dans la dimension présente, il est l'omniprésent. Il était hier, il est aujourd'hui et il sera toujours. Mais il aime beaucoup employer le je suis pour lui montrer qu'il est un Dieu qui n'est pas changeable par le temps, qui n'est pas modifiable, mais un Dieu qui demeure toujours le même. Un Dieu qui demeure le même, mais qui reste et reste toujours le même, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Et c'est pourquoi il dit dans Psaume 90, le verset 2, il dit par la bouche de David, et nous rappelons que David est un très grand serviteur de Dieu, un prophète, qui recevait assez d'inspiration par la méditation de son esprit. C'est un homme qui méditait beaucoup dans son esprit, il méditait beaucoup les lois du Seigneur, les paroles du Seigneur, les préceptes du Seigneur dans son esprit. Et c'est à cause de cela qu'il a beaucoup écrit sur les choses spirituelles concernant la louange, concernant aussi l'adoration. Il dit, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc pour rendre un culte spirituel, un culte à Dieu, il faut commencer d'abord à comprendre que nous servons un Dieu éternel. Parce que le fait que Dieu lui dise « Je suis », là c'est mon nom, il est en train de lui révéler sa nature éternelle. Il est en train de lui révéler le Dieu éternel qu'il est. À Moïse, il a montré qu'il est Jésus, c'est-à-dire qu'il est le présent. Et par David, il veut nous montrer que de toute éternité, il est Dieu. De toute éternité, il est la même personne, il est le même Dieu et il ne change pas. Donc c'est une dimension éternelle de Dieu que nous sommes en train de révéler. Donc nous ne pouvons pas servir Dieu ou ne pouvons pas adorer Dieu ou avoir servi dans un culte ou par un culte spirituel si nous ne connaissons pas l'identité du Dieu que nous voulons servir. Et l'une des premières ou même la première identité de ce Dieu, c'est qu'il est un Dieu éternel, où il est le je suis. Il se présente toujours, pour la plupart des cas, lorsqu'il veut se révéler dans toute sa totalité, comme étant le je suis. C'est-à-dire le Dieu éternel. Le Dieu qui n'a pas de commandement.
commencement, qui n'a pas également de fin, mais qui existe de lui-même, qui existe par lui-même. Jérémie nous dit ceci dans Jérémie 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. L'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. L'Éternel est un Dieu éternel. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Lui vient nous confirmer que ce Dieu est réellement un Dieu éternel, un Dieu qui surpasse toutes choses et que les nations tremblent devant sa face. Pourquoi? Parce qu'il est également un roi éternel. Le nom de Dieu, il faut que vous compreniez ceci. Dieu a toujours caché son nom. Il s'est beaucoup présenté comme étant celui qui est éternel. Il s'est beaucoup présenté comme étant celui qui est dans le présent. Pas dans le futur ou dans le passé, mais celui qui est. Ça veut dire quoi? Pour nous aujourd'hui, ou bien pour Moïse, il était dans le présent. Il est dans le présent. Pour Abraham aussi, il est. Bon, pour Abraham aussi, il est dans le présent. Abraham était avant Moïse. N'est-ce pas? Voilà. Pour tous les patriarches, il est dans le présent. Surtout ceux qui l'ont adoré sous la loi ou même avant la loi, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Il s'est toujours révélé comme l'Éternel, l'Éternel. Il se révélait beaucoup par des attributs et non directement par son nom, qui le désigne directement pour qu'on puisse le cerner, le connaître, pour nous rendre réellement un culte. C'est parce que Dieu est tellement mystérieux ou tellement mystifié, mystifié dans le temps ancien, que quand Dieu voulait se révéler aux hommes, il fallait qu'il porte des images ou même des représentations pour parler aux hommes. C'est pourquoi c'est Jésus le Fils qui l'a révélé, totalement et qui a montré en réalité son identité et sa personne. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant. Nous allons voir le nom révélé de Dieu dans l'ère de la grâce. Le nom révélé de Dieu dans l'ère de la grâce. Nous avons compris que dans l'Ancien Testament, Dieu était le Dieu éternel. Dieu est le Dieu qui est, c'est-à-dire le Je suis. Maintenant, nous allons voir dans la nouvelle ère, qui est l'ère de la grâce, ce qui est. Avant que nous ne parlions du nom de Dieu révélé dans les derniers jours, il faut que nous comprenions ceci. En effet, ce peuple à qui Dieu s'est révélé au fil du temps, écoutez-moi très bien, après sa délivrance de l'Égypte, s'est retourné contre lui en suscitant sa colère. L'Éternel, après les avoir sortis, leur donna des lois qu'ils doivent observer afin de vivre par elles. C'est alors qu'il choisit Moïse comme prophète pour qu'il les conduise à Canaan. Vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire, je parle beaucoup des prophètes. Je viens et je parle des prophètes. Pourquoi? Je veux aussi ressortir dans mon enseignement le concept du Dieu des esprits des prophètes. Peut-être que plusieurs parmi vous ne vont pas totalement comprendre ce que je suis en train de dire. Mais lorsque vous allez garder cet enseignement, ça va vous aider dans votre adoration personnelle et aussi dans votre adoration mutuelle ou en communion lorsque vous allez vous retrouver ensemble avec le Seigneur. Parce que Dieu travaille avec ses serviteurs, il travaille avec ses prophètes. Alléluia. Le Seigneur a donc suscité ses serviteurs, les prophètes, pour avertir son peuple, le ramener à lui. Mais cela a été en vain, puisqu'ils ont tué les prophètes, ils ont tué les messagers de Dieu. Et ils ont essayé de faire disparaître le nom de l'Éternel. Nous devons aussi savoir que le nom de l'Éternel était beaucoup craint à cause de ce que Dieu a dit à Moïse. Il dit, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain.
Zacchée de cela que le nom du Seigneur était aussi beaucoup craint et Dieu se révélait beaucoup comme étant l'Éternel, étant le Je suis. Et ils ont gardé cela. C'est toujours dans ce concept, dans le fait de ne pas appeler le nom de l'Éternel, qui est un tétagramme. Ça s'appelle le tétagramme juif dans la Torah. Ça, il s'appelle Yahweh. Mais à la base, c'est un ensemble de consonnes et non de voyelles. C'est en réalité parce que les hommes veulent être, avoir la facilité de prononcer le nom de Dieu qu'ils ont attribué des voyelles au nom de Dieu et c'est devenu Yahweh ou même nous entendons plusieurs qui l'appellent aussi Jéhovah. Et ça aussi a été une infiltration. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu était tellement craint en ce temps, tellement mystifié qu'on ne connaissait pas réellement Dieu. Ils savaient que Dieu existe. L'Éternel est Dieu, l'Éternel existe. Mais appeler le nom de l'Éternel même, c'était un problème. Parce qu'ils se souvenaient de ce que Dieu a dit à Moïse. Tu n'invoqueras pas le Seigneur ton Dieu en vain. Tu ne l'invoqueras pas en vain. Donc ils ont gardé cela. Et c'est pourquoi même le Yahweh que nous invoquons aujourd'hui, quand nous disons Yahweh, à la base n'est pas le nom que Dieu a révélé. Ils ont ajouté des voyelles pour pouvoir permettre, pour pouvoir avoir plutôt la facilité d'articuler le nom de Dieu et de prononcer. Parce qu'on ne peut pas prononcer un nom constitué seulement de consonnes. Est-ce que vous savez? Vous comprenez? On peut prononcer un nom qui est accompagné de voyelles et de consonnes. Je peux donner un exemple. Quand je prends le nom de David, j'enlève le A dedans. J'enlève le I également dedans. Ça fait quoi? Ça fait DVD. C'est ça, non? Ou bien c'est pas ça? Ça fait DVD. DVD, c'est un peu bizarre. Ou encore, lorsque je vais mettre YH. YHWH. C'est ça le nom de Dieu. YHWH. C'est un peu bizarre. On veut un nom qu'on peut, on va manier, on va appeler, invoquer Dieu. C'est comme ça que les hommes se sont mis ensemble, l'ont étudié et ont dit il faut que nous puissions maintenant insérer les voyelles pour constituer un nom pour Dieu qu'on peut appeler. C'est là qu'on commence à l'appeler Yahweh. Yahweh. Yahweh chez les Juifs. Yahweh chez les Hébreux. Et ça succède dans la connaissance juive, dans la Torah. Il s'appelle Yahweh. Mais en réalité, ce n'était pas le nom qu'il a révélé. Donc, le nom de Dieu était comme un mythe dans ce temps. Dieu est connu comme l'Éternel. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'on n'est plus, à l'aise à appeler l'Éternel dans la Bible. Un peu partout, vous voyez l'Éternel, c'est-à-dire celui qui n'a pas de fin, celui qui n'a pas de commencement, le Je suis, qui est toujours présent. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, il a assez de problèmes avec les Juifs, les rabbins, les connaisseurs, les scribes de ce temps. Parce que les scribes de ce temps connaissaient totalement Dieu. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde, je suis », il leur rappelle le nom de Dieu, qui est le Dieu éternel. Et c'est pourquoi ils l'ont tué et ils l'ont dit. C'est comme s'ils se révoltent contre Dieu étant lui-même un homme. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Mais nous, le Seigneur nous a donné cette révélation de pouvoir le connaître et de connaître qui il est réellement. Alléluia. Nous allons rappeler ceci. Nous allons appuyer plutôt. On va appuyer par Jérémie 30, verset 3 qui dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël et de Juda. Je les ramènerai dans le pays
que j'ai donné à notre père et ils posséderont ce pays. Je peux dire que c'est le commencement d'une nouvelle ère de soulagement, de consolation en Israël après des années de désolation, des années d'égarement, des années où le nom de Dieu a quasiment disparu. Et au temps d'Ésaïe, Dieu avait donné des prophéties pour leur dire, vous n'êtes pas oubliés. Parce que le peuple traversait comme un désert. Et la prophétie que Dieu avait donnée à Ésaïe était de les aider maintenant à se connecter ou se reconnecter à Dieu. C'est pourquoi Ésaïe est venu par Ésaïe 9:7, que nous connaissons tous ici, où il dit, il vous est né un sauveur. Un sauveur nous est né. Quand un sauveur nous est né, la domination reposera sur son épaule. Il est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le prince de la paix, le paix éternel. N'est-ce pas? On va définir chaque thème de ces noms qu'il porte. Désormais, quand tu adores Dieu, tu vas le faire le connaissant. Tu vas le faire parce que tu as sa connaissance. Nous devons savoir que l'adoration est liée au salut. Le culte est lié au salut. Le vrai culte, c'est lorsque nous avons le vrai culte que nous avons le salut. Et le culte, c'est lorsqu'on a la connaissance de ce qu'on adore. C'est là qu'on est en train de célébrer réellement, où on est en train de faire un culte. Le culte n'est pas toujours, ou n'est pas d'abord, le fait qu'on se rassemble ici, ou les dimanches, ou même aujourd'hui, où on prie, on frappe les mains, on chante, on saute, c'est pas d'abord sans le culte. Ça fait partie du culte. Mais ce qui est le culte, même d'abord, c'est dans la connaissance du Dieu qu'on est en train de servir, ou qu'on est en train d'adorer. Et de comment on le sait après avoir eu connaissance de lui. Et c'est un culte beaucoup plus individuel, beaucoup plus personnel. Ce n'est pas un culte d'abord collectif, mais un culte personnel qui te concerne toi-même parce que tu es appelé à adorer Dieu. Amen. Amen. Tant que le peuple de Dieu ne se détourne de ses idoles pour s'attacher au vrai Dieu, il est dans l'égarement et n'a pas la vie ou n'a aucune espérance. Le salut, notre salut se trouve dans le culte que nous rendons à Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Philippiens 3:3, nous ne nous glorifions pas dans la chair, parce que les vrais circoncis, ils rappellent la parole de Jésus lorsqu'il parlait à la femme samaritaine. Par Samaritain. Nous, les vrais circoncis, c'est nous qui adorons Dieu. C'est nous qui servons Dieu parce que nous le connaissons. Et c'est pourquoi il dit, nous ne faisons pas l'esprit. Parce que celui qui l'adore, l'adore aussi en esprit. Vous voyez que les deux versets sont totalement ensemble. Et le verset de Paul vient expliquer aussi ce que le Seigneur Jésus a dit. Alléluia. Il y a une prophétie aussi de Ésaïe, dans Ésaïe 35, verset 4, qui dit, « Dis à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez pas, voici votre Dieu. » Parce que je disais que Israël était entré dans une désolation. Et le nom de Dieu, c'est comme si le nom de Dieu a disparu. Il y avait la solitude, il y avait le trouble, et l'adoration a été renversée, le culte a été renversé. Quand le culte commence à être renversé dans le lieu, c'est le nom de Dieu qui est en train d'être renversé. C'est la connaissance de Dieu qui est en train d'être renversé. C'est pourquoi quand on parle de l'Antichrist qui viendra, qui va s'asseoir lui-même dans le tabernacle de Dieu, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, il vient pour faire quoi? Il vient pour enlever le nom du vrai Dieu dans leur tête, dans leur conscience, et il va maintenant se faire lui-même Dieu. Parce que le vrai culte, la vraie adoration, le vrai service spirituel envers Dieu commence d'abord par la connaissance de ce que Dieu est. Parce que l'adoration ou le culte concerne l'identité de celui qu'on est en train de
servir ou de celui qu'on est en train d'adorer. Donc tu ne peux pas servir Dieu si tu ne connais pas Dieu. Et si tu es un homme spirituel, tu dois aussi connaître Dieu parce que Dieu est spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Ça va. Voilà, Ésaïe 9, 45. On revient à Ésaïe 9, 45. Qui nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Nous devons comprendre que cette écriture nous révèle la nature de Jésus en termes de Messie ou de Sauveur. Parce que j'ai bien dit que Israël était dans une désolation. Et quand on annonce Jésus de cette manière, il vient pour sauver l'humanité. On dit que la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Vous savez très bien que quand on parle de l'épaule, on parle en réalité du niveau de taille d'une personne ou encore de l'élévation. Parce que la domination est une autorité que l'on reçoit pour exercer une fonction dans un champ d'action bien défini. Jésus avait reçu la domination de Dieu. Voilà pourquoi, avant que qu'il naisse, la domination était là déjà ou d'abord sur son épaule. Les sacrificateurs qui travaillaient dans le sacerdoce lévitique avec Aaron avaient des galons à leur épaule qui symbolisaient ou qui signifiaient qu'ils ont la domination qui repose sur eux. Parce que la domination se trouve sur l'épaule. Souvent, on dit que les orgueilleux font quoi? Ils gonflent leur épaule, n'est-ce pas? Parce que la domination se repose sur l'épaule. Or, Jésus, lui, il a reçu directement de Dieu. Parce qu'il est élevé. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a été baptisé par Jean, on peut voir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est descendu sur son épaule. Il était descendu, et lorsque le Saint-Esprit est descendu, par une colombe, l'Esprit dit au ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On peut dire, en qui j'ai placé toute ma domination. C'est pourquoi l'Esprit est descendu sur l'épaule. Et ceux qui connaissent bien la loi, qui connaissent aussi les prophètes, vont se rappeler en même temps de la prophétie pour dire que c'est lui qui était annoncé et c'est lui réellement qui est venu. Donc c'est celui dont Ésaïe a parlé qui est devant nous. Or, en ce temps, il n'arrivait pas à voir ou à comprendre toutes ces choses qui se passaient devant eux. Dieu avait utilisé tous les moyens pour leur parler, pour leur montrer qu'il s'agissait réellement de lui, mais il ne voyait rien, il ne comprenait rien. Mais à toi, il ouvre les yeux pour le connaître. Amen. Il ouvre les yeux pour le connaître, Amen. Pour le recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir que celui à qui nous rendons notre culte aujourd'hui, dans cette nouvelle ère qui est l'ère de la grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous servons. Notre culte est destiné à lui. Nous rendons un culte spirituel lorsque nous commençons à servir Jésus-Christ. Et lui-même dit dans Jean 17, 4, 5, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Il dit, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais avant même que le monde commence. Ça veut dire qu'il faut que tu m'élèves auprès de toi. Il faut que tu me fasses monter auprès de toi. Jésus est en haut, Jésus est au ciel. Celui qui veut adorer Dieu aujourd'hui doit aussi monter en haut, doit aussi monter au ciel. Pourquoi Dieu se trouve au ciel? Dans Actes 2, 33, on dit,
qu'il a été élevé par la droite de Dieu et il a reçu de Dieu le Saint-Esprit qui nous avait été promis et il a répandu comme nous le voyons, comme nous l'entendons aujourd'hui. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Nous devons comprendre que l'adoration symbolise, ou le culte symbolise l'humiliation. Plutôt l'humilité, pas l'humiliation. L'humilité que l'on a devant ce qui nous est beaucoup plus supérieur. Voilà pourquoi je disais que l'inférieur est béni par le supérieur. Nous devons nous prosterner devant Dieu lorsque nous venons pour le servir, lorsque nous venons pour l'adorer. Il est l'admirable conseiller parce qu'il porte en lui, il est plutôt l'admirable parce qu'il porte en lui l'admiration. Il est un sujet de joie, un sujet de paix et un sujet de bonheur pour tout le peuple. C'est bien expliqué, vous pouvez noter dans Luc 2:52. Luc 2:52, on dit que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il a été quoi? Admiré. Donc il est l'admirable parce qu'il croissait aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Cela a été annoncé comme une prophétie, mais Dieu, quand il est venu, Dieu a tout fait pour que cela s'accomplisse. Tu ne peux pas adorer Dieu lorsque tu ne l'admires pas. Tu ne peux pas servir Dieu lorsque tu ne l'admires pas. Et pour l'admirer, il faut faire quoi? Il faut le connaître. Pour admirer Dieu, il faut le connaître. Pour servir Dieu, il faut le connaître. Pour rendre un culte à Dieu, il faut le connaître. Or Dieu, lui, il est esprit. Il est spirituel. Et c'est pourquoi il demande que tous ceux qui vont l'adorer, qu'ils le fassent et qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. Il est le conseiller parce qu'il enseignera toute la vérité. Il enseignera selon la vérité et il nous donnera tout ce que Dieu a mis en lui. Voilà pourquoi on l'a appelé le conseiller. Cela se trouve dans Colossiens 2, 9 à 10, où on dit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Il porte en lui toute la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination, le chef de toute autorité. C'est en lui. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu admirable. Et lorsque nous rendons un culte à ce Dieu, nous sommes dans l'admiration. Parce que nous connaissons ce qu'il est. Il est à la fois le Dieu puissant et aussi le Père éternel. Il est Dieu puissant à cause de quoi? Il est Dieu puissant à cause de l'autorité et de la domination qu'il a reçue. Et Dieu pouvait lui dire, dans Hébreux, il dit, je fais de toi, de tes ennemis, ton marchepied. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. Est-ce que nous pouvons adorer quelqu'un d'autre à part le Seigneur Jésus? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas adorer quelqu'un d'autre à part le Seigneur Jésus? Pourquoi? Depuis, on est dans une forme d'introduction à Jésus-Christ. Pourquoi on ne peut pas adorer quelqu'un d'autre si ce n'est le Seigneur Jésus? Oui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas adorer quelqu'un d'autre en dehors du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le suprême. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de pareil. Il est au-dessus de tout. Il est la base de tout. Amen. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons adorer personne d'autre parce qu'il est le Père éternel. Il est le prince de la paix.
Il est tout. Je me joins plutôt à vous. Il est le Père éternel parce que d'éternité en éternité, il est Dieu, comme nous venons de le dire également. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais je vais un peu avancer pour qu'on aille dans le vrai sujet des choses. Nous allons voir la transfiguration de Jean. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet et nous allons parler également. On était dans l'introduction. On va voir la transfiguration de Jean lorsqu'il a été au ciel. On lui a montré des choses. Dans Apocalypse 19, Apocalypse 19, le verset 9. Je vous aide aujourd'hui hein, dans la lecture biblique. Soyez fortifiés. Amen. Apocalypse 19, oui. Verset 9, je demande Jésus. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de la nuit. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis. Il dit, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est quoi? L'esprit. Est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il dit, adore Dieu. Lorsque Jean a vu l'excellence des révélations que l'ange lui montrait, parce qu'on l'a amené au ciel, on l'a montré comment les anges adorent Dieu, comment le culte céleste se fait. Tout ce qu'on a énuméré dans Hébreux 8 et surtout Hébreux 9, où on a parlé du parvis extérieur, de la partie antérieure du temple, qui est le lieu saint, du lieu qui est derrière le voile, qui est le saint des saints ou le lieu très saint. Jean a vu toutes ces choses au ciel, parce que ce sont des représentations des choses célestes que Dieu avait données sur la terre à Moïse. Donc Jean, il a vu ces choses. Et c'est l'ange qui lui montrait. Et quand il voyait, il était tellement rempli de niveau de connaissance des choses qu'on lui montrait, il s'est agenouillé devant l'ange. Il a commencé à adorer l'ange. Et c'est là l'ange lui dit, non, tu ne dois pas m'adorer, mais tu dois adorer Dieu seul. Parce que Dieu seul mérite l'adoration. Moi, je suis ton compagnon. Je suis ton compagnon de service, mais celui que tu dois adorer, c'est Dieu. Pourquoi est-ce que l'ange a dit cela? Parce qu'au préalable, les anges même ont été créés, ont été faits pour adorer Dieu. Quand vous entrez dans le livre d'Hébreux, vous allez comprendre. Les anges ont été faits pour adorer Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas adorer les anges ou ne devons adorer personne qui peut-être devant nous peut avoir une grande connaissance, peut être maître dans n'importe quel domaine, mais nous devons garder à notre esprit que le culte que nous faisons est destiné uniquement à Dieu. Et les anges ont été préparés pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Et l'ange lui rappelait cela, il dit, adore Dieu. Il lui rappelle la parole de Hébreux. Lisez-moi Hébreux. Hébreux, commencez d'abord par Hébreux 1, le verset 2. Vous allez me lire le 4, vous allez me lire le 6 aussi. On va faire une liaison et sortir une conclusion. Oui. Hébreux 1, le verset 2, je demande Jésus. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Très bien. Au verset 4. Verset 4. Oui. Le verset 4 de Hébreux. Le verset 4 de là où il a dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, d'abord là où il dit, auquel des anges Dieu a-t-il dit. Il faut me trouver ça. C'est entre le voilà. Non. C'est dans le verset 6. Auquel il a introduit le nouveau né dans le monde. Non, j'ai d'abord dit, auquel des anges Dieu a-t-il dit? Ça vient avant le verset 6, non? C'est à partir du verset 6.
Ok, vas-y. À partir du verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Voilà. Celui qui fait de ses anges des femmes. Ok. Et de ses serviteurs une flamme. Lis-moi le verset 4. Au verset 4. Devenu d'autant supérieur à l'ange, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il a hérité d'un nom beaucoup plus excellent que le leur. Hein? Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré au bout du. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Après, il appelle Jésus, le fils lui dit, oh Dieu, ton Dieu t'a moins d'une nuit de joie. Et il a expliqué encore beaucoup de choses. C'est pour nous dire en réalité que celui qui nous a été présenté pour que nous puissions l'adorer, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il a réintroduit encore dans le monde. Parce qu'il a introduit plusieurs fois dans le monde. C'est comme s'il avait déjà introduit pour une première fois dans le monde, et lorsqu'il l'introduit encore de nouveau, comme le dit le verset 6 du chapitre 1 d'Hébreux, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc l'ange même avait gardé cela. Et quand Jean s'est achevé de voir, il dit non, je suis ton compagnon de service. Et quand vous lisez bien le chapitre, vous allez voir qu'après Paul dit que les anges sont nos serviteurs, les anges sont là pour nous servir. Donc ils sont nos compagnons de service, ils sont nous avons reçu le même ministère que seulement que eux ils sont invisibles, mais nous sommes visibles. Nous sommes de l'armée de Dieu visible, mais eux sont de l'armée de Dieu invisible. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas servir Dieu ou ne pouvons pas opérer avec Dieu dans l'adoration pour vivre des choses surnaturelles si nous n'entrons pas ou bien nous n'opérons pas aussi avec ces anges. C'est très important. C'est un ange qui a amené Jean pour qu'il aille voir les choses. Jean a vu les choses extraordinaires. Jean a vu les choses tellement spirituelles, de grandes choses. Mais l'erreur que Jean a commis et que beaucoup commettent aujourd'hui, c'est se prosterner devant l'ange qu'il voyait à cause de la grandeur des choses que l'ange lui montrait. Jean n'a pas pu dissocier l'ange du Seigneur parce que l'ange était aussi glorieux. L'ange par sa connaissance, sa haute connaissance, lui prouvait qu'il est un être beaucoup plus supérieur dans le niveau de connaissance. Donc Jean pouvait se prosterner parce qu'il était comme hypnotisé dans la présence de l'ange. Mais l'ange lui a dit, ne le fais pas. Lorsque nous entrons dans l'adoration avec Dieu, nous commençons à adorer et que nous faisons le culte spirituel, le vrai culte avec Dieu, les anges gravitent autour de nous. Voilà pourquoi même Paul va jusqu'à dire dans 1 Corinthiens, lorsqu'il parle aux femmes et aux hommes, il dit que les femmes ont la tête ouverte. À cause de qui? À cause des anges. Parce que dans l'adoration, dans la prière, les anges sont en mouvement. Ils sont là pour nous servir. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jésus? Lorsque Jésus était dans le désert, il a prié, il a jeûné pendant 40 jours. Quand il a fini ces 40 jours, qui sont ceux qui sont venus vers lui? C'est les anges de Dieu qui sont venus vers lui pour le servir, pour l'entretenir et pour le fortifier. Donc les anges marchent toujours avec nous. Les anges nous accompagnent lorsque nous commençons à monter, à servir Dieu dans l'adoration. Pourquoi? Parce que ce sont les anges qui sont autour de l'adoration. Tu ne peux pas servir Dieu dans l'adoration ou tu ne peux pas faire un culte spirituel qui soit agréable à Dieu si tu ne le fais pas en esprit et si les anges ne t'aident pas également dans ton adoration. Quand tu commences à adorer Dieu et tu le fais spirituellement, les anges descendent du ciel. La présence de Dieu descend. Et dans la présence de Dieu se trouvent les anges. Parce que quand on parle de la présence de Dieu, quand on parle de la gloire de Dieu, en réalité, c'est les anges qui vivaient pour aller faire de grandes choses. C'est pourquoi Somme dit, ces anges sont ceux qui exécutent ses ordres, exécutent sa parole. Et sur la parole, ce sont les anges qui viennent pour
pour exécuter cette parole. Donc dans l'adoration ou dans le culte spirituel, nous, les anges gravitent autour de nous, ils travaillent autour de nous, ils nous servent. Mais nous ne pouvons pas les servir, eux. C'est eux qui nous servent, nous ne devons pas les adorer. Ils ne sont pas appelés à seulement, ou bien à appeler le nom des anges, ou appeler le nom de tout type d'ange. Moi, je crois ceci. Si nous connaissons le nom de certains démons, Dieu a la capacité de nous révéler le nom de ces anges. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Mais nous ne devons pas prendre cela pour commencer à adorer les anges. Qui connaît le nom de certains démons ici? Qui connaît le nom des démons? Est-ce que tu connais? Non, n'ayez pas peur. Voilà, nous avons le frère Nicolas. Frère Nicolas, il faut le dire le nom des démons que tu connais. Le nom des démons que tu connais. Oui? Shalom, shalom. Oui? Bon, je connais certains démons appelés Moloch. Moloch, il fait quoi? Bon, Moloch, comme le Seigneur dit quelque part dans sa parole, que vous n'offrez pas vos enfants à Moloch. C'est-à-dire, oui, il consomme le sang, les sacrifices humains. Belzébul, le prince, les pharisiens avaient accusé Jésus de faire les miracles par le prince des démons. Voilà. Il a dit, Belzébul, il avait considéré, Belzébul agit aussi dans les miracles. Voilà, c'est le chef des démons. Le chef des démons. Alléluia. Bon, je peux m'arrêter là. Ok. Qui d'autre connaît le nom de certains démons? Maintenant, à part le nom, quand tu connais le nom de certains démons, tu connais le nom de certains anges de Dieu aussi? Tu connais? Il faut me dire le nom des anges que tu connais. Gloire à Dieu. En ce qui concerne les anges, je connais l'ange Gabriel. Oui. Oui, le chef des messagers. Quand le Seigneur a un message pour son serviteur, c'est Gabriel qui a envoyé un exemple dans l'histoire de Daniel. Oui, Gabriel qui t'a envoyé, et aussi le cas de Marie, à l'annonce de la naissance de Jésus. Et je connais aussi l'archange Michael, qui est le chef des guerriers. Et aussi dans les combats, on nous a dit qu'ils ont combattu contre Satan et ses démons. Et ils ont été vaincus. Gloire à Dieu. Donc c'est les deux là que tu connais. Amen. Amen. Tu connais deux démons et tu connais deux anges. Donc, c'est comme si c'est comme l'équivalent des deux démons que tu as vus, mais du côté de la lumière. Le démon Moloch que tu as vu, que tu connais, c'est lui qui prend le sacrifice. C'est ça, non? Le sacrifice d'enfants, il mange les enfants. Et le démon de le deuxième, Belzéboul, c'est lui qui fait le miracle, n'est-ce pas? Pour le diable, dans le monde de Satan. D'accord. Donc tu connais deux démons et tu connais deux anges. Si nous avons la connaissance de certains démons, c'est pour quel but? C'est dans le but de pouvoir neutraliser les œufs des ténèbres, n'est-ce pas? C'est dans le but de détruire les œufs de Satan. C'est dans le but d'anéantir toutes les œuvres des démons pour libérer les gens dans la délivrance ou pour essayer d'apporter la lumière à ceux qui adorent les démons ou adorent le diable. Or, les anges, l'ange dit ici à Jean, je suis ton compagnon de service. Et quand nous remontons à ce qui est arrivé à Daniel, lorsque Daniel priait, hier on a vu dans Daniel 12, verset 1, que Michaël, le défenseur du peuple de Dieu, va se lever. Donc Dieu avait donné une précision à partir du nom de cet ange qu'il avait envoyé en appelant Michaël. Ça veut dire quoi? Quand nous entrons dans des dimensions avec Dieu et que nous sommes concentrés à le servir, nous le connaissons déjà, nous le servons réellement et que nous sommes dans le vrai culte, dans la vraie adoration, dans la présence de Dieu, nous sommes capables de rencontrer plusieurs types d'anges qui travaillent avec Dieu devant son trône dans le ciel. Et Dieu, par ses anges, peut nous amener dans les révélations plus puissantes pour voir qu'on est encore davantage des choses. Et il est capable de nous révéler même le nom de ses
anges, mais à certains, à cause de leur immaturité et de leur enfantillage, ils ne vont pas leur révéler ça. Mais ceux qui ont atteint une grande dimension avec Dieu sont capables de connaître le nom des anges qui opèrent avec eux ou que Dieu leur met à disposition pour opérer avec eux. Plusieurs, je ne sais pas s'il y a certains parmi vous qui ont souvent des expériences surnaturelles ou des expériences où vous voyez des anges qui viennent vous prendre, qui disent, voilà, Dieu nous a envoyé pour t'amener. Souvent, on a entendu parler des révélations de l'au-delà ou du ciel, de l'enfer, où des anges sont venus prendre le corps des anges, des gens ou l'âme des gens pour aller leur montrer des choses. Parfois, quand l'ange vient, il dit qu'il se présente. Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à travailler avec les anges parce que nous sommes dans le monde visible. Nous sommes les serviteurs de Dieu du monde visible. Eux sont les serviteurs de Dieu du monde spirituel. Donc nous sommes appelés à travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut que nous soyons dans l'adoration. Parce que c'est dans l'adoration que Dieu révèle les choses spirituelles. C'est dans l'adoration que Dieu révèle les mystères de son royaume. Les hommes spirituels sont ceux qui passent beaucoup de temps à adorer Dieu. Yes. Il faut comprendre ceci. La prière, en réalité, t'aide à être fortifié dans ton esprit, à être fort, de même que la méditation de la parole de Dieu. Mais l'adoration te transporte dans les dimensions élevées du trône de Dieu, dans la dimension élevée de la divinité en réalité. Donc, celui qui adore Dieu, il s'approche, se rapproche beaucoup plus de la divinité et dans son corps, on le voit comme un être humain, mais il n'est pas un être humain simple. Parce qu'il a appris à rester beaucoup dans la présence du Seigneur. C'est ce qui est arrivé à Moïse. J'avais déjà donné l'exemple ici, où Moïse, après avoir passé des jours, des nuits dans la présence de Dieu sur la montagne, quand il est sorti, il y avait comme une gloire qui était sur son visage. Parce que Moïse avait reçu la visitation de Dieu. Et quand on parle de la gloire de Dieu ou de la présence de Dieu, cette présence descend souvent avec ses serviteurs qui l'envoient pour travailler, pour œuvrer, pour faire des choses, opérer et accomplir ses ordres qu'il envoie. De même qu'il nous envoie pour être ses témoins, il envoie aussi ses anges pour être ses témoins auprès de nous. Voilà pourquoi à l'enlèvement, on dit que c'est à la voix d'un archange que Dieu sonnera sa trompette. Et aussi, à la naissance, ou bien même avant la naissance de Jésus, ce sont les anges que Dieu a envoyés pour annoncer le message de Dieu. Et nous devons comprendre ceci, que par des prophéties ou par des visitations, Dieu utilise beaucoup ses anges pour nous parler. Quand tu as une prophétie ou tu reçois un message du Saint-Esprit, en réalité c'est un ange, un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé pour pouvoir te parler. Parce que dans le règne de l'Esprit, dans les choses de l'Esprit, ce sont les anges qui font tout, qui travaillent pour Dieu. Quand on parle d'ange, souvent, il y a une confusion. Quand on parle d'ange, réellement, c'est un messager. Or, avec Dieu, il n'y a pas seulement des messagers. Avec Dieu, il y a d'autres esprits ou d'autres êtres qui ne sont pas forcément des messagers auprès de Dieu, mais qui ont d'autres fonctions. Les chérubins, directement, ne sont pas des messagers. Est-ce que vous savez? Mais les chérubins sont là pour garder, pour protéger. C'est pourquoi on les appelle les chérubins de la gloire. Parce qu'ils sont là pour couvrir l'arche de l'alliance. C'est ce qui est représenté au ciel, ou ce qui se passe au ciel qui a été donné à Moïse. Donc ces anges sont toujours et continuellement dans la face de Dieu. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc 2, 10, 14. Désormais, nous allons adorer Dieu et avoir des visitations puissantes où Dieu va nous révéler des choses.
Parce que si nous n'avons pas la révélation des choses spirituelles, nous ne pouvons pas adorer Dieu. C'est parce que la théologie nous a appris un Dieu réglo, un Dieu qu'il faut adorer seulement, voilà, par des dogmes qu'on a déjà établis. Il ne faut pas dépasser cela. Dieu ne peut pas vous montrer quelque chose que vous allez venir dire, que les théologiens vont croire. Parce qu'ils se sont déjà conçus un Dieu à leur imagination, selon leurs enseignements. Voilà pourquoi, quand Dieu vous a parlé du dépouillement, ils n'ont pas cru. Mais ce n'est pas des visitations surnaturelles, pas des visitations angéliques que Dieu a pu révéler ces choses à ceux qui le cherchent. Amen. Donc, commencez à chercher Dieu dans l'adoration et vous verrez beaucoup de choses. Oui, continue. Luc 2, le verset 10. Oui. Je demande Jésus. Mm-hmm. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, et il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes qui agréent. Dans les cieux se joignant à lui une multitude d'anges qui commençaient à adorer Dieu. Quand nous adorons Dieu, les anges sont toujours présents. Quand nous chantons des louanges, nous chantons des chants d'adoration, nous, peut-être tu ne vois pas parce qu'on ne t'a pas ouvert les yeux, mais il y a une armée qui nous environne. C'est l'armée céleste de tous les anges qui adorent Dieu. Parce qu'il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les serviteurs de Dieu l'adorent. Voilà pourquoi l'ange dit à Jean aussi, adore Dieu. Parce que Jean aussi était un ange parmi les anges de Dieu. Mais Jean était un ange visible. Mais l'ange qu'il voyait était un ange invisible. Ou un ange qui opère uniquement dans le royaume de Dieu en esprit. Nous sommes aussi des anges. Et nous devons servir Dieu étant des hommes spirituels. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, change ta manière de voir les choses. Change ta notion de concevoir les choses. Et commence à aller dans l'adoration, dans le service de Dieu, dans l'adoration. L'adoration passe par beaucoup d'éléments. Ça peut être dans les chants, lorsque tu chantes, tu glorifies le Seigneur chez toi, ou ça peut être même dans l'œuvre de Dieu que tu lui accomplis, ça peut être même dans l'aumône que tu fais, dans tout ce que tu fais pour lui. Dans le livre de Actes, on va faire une parenthèse, on va aller dans Actes. Dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 10. Actes des Apôtres 10. Quelque chose s'est passé. Ça, c'est une parenthèse qui nous aide aussi à appuyer sur un point. Voilà. Commencez par le premier verset. Quelque chose s'est passé avec un homme appelé Corneille. Oui. J'ai le nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Oui. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Corneille est quoi? Corneille est un juif d'adoration, de religion. Mais en réalité, d'origine, il est un romain. Il est un centenier, c'est comme un officier romain qui encadrait plusieurs groupes de soldats. Il faisait des aumônes, il faisait quoi des sacrifices, parce qu'il appliquait ce que Dieu avait enseigné à Moïse. Il appliquait cela, il servait Dieu de façon, dans une ferveur. Il servait Dieu avec beaucoup de zèle, mais il le faisait beaucoup par des prières et par des actions de grâce, par des prières et par des aumônes. Voilà pourquoi toi aussi, tu dois beaucoup adorer Dieu, non seulement par tes prières, par tes chants, mais beaucoup plus aussi dans tes actions de grâce et dans tes aumônes. L'apôtre a beaucoup parlé des actions de grâce. Lorsqu'il dit, il parle dans Éphésiens 6, 18, il dit « Faites en tout temps tout ce
sont des prières, des supplications, des demandes à Dieu, mais avec des actions de grâce ou en ajoutant des actions de grâce. Pourquoi? Ça joue un rôle. Ça engendre quelque chose. Ça crée quelque chose. Parce que spirituellement, il faut apporter quelque chose pour recevoir aussi quelque chose. Jésus a apporté l'offrande excellente, l'offrande le plus parfait pour que nous ayons un contact avec Dieu. Ça, c'est pour notre salut. Ça, c'est pour notre délivrance. Mais le principe spirituel qui nous demande d'apporter des offrandes ou des offrandes devant Dieu pour entrer dans certaines dimensions avec lui est toujours établi. C'est comme ce qu'il dit. Il dit, vous verrez désormais les cieux s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur le Fils de Dieu. Nous devons apporter des offrandes. Nous devons apporter aussi des aumônes. Même si tu n'as rien, le Seigneur veut que tu lui montres ce que tu as dans le cœur. Qui se souvient de l'histoire de cette femme qui n'avait rien, mais qui a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus dit, c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Même la veuve de Sarepta, qui n'avait rien à manger, mais qui avait donné ce qui lui restait. Elle avait engendré quelque chose dans le spirituel qui lui a apporté plus de bénédictions. Parce qu'il faut savoir ceci. Ce n'est pas celui qui reçoit qui est riche. Ce n'est pas celui qui prend ou qui reçoit, qui encaisse, qui est quelque chose, mais c'est celui qui donne. Amen. L'homme Chanel, lorsqu'il il voit celui qui donne comme quelqu'un qui ne connaît rien, qui est bête, qui voilà, qui il n'est rien parce qu'il donne. Or, l'homme spirituel sait que c'est à force de donner qu'on obtient des grâces, on obtient des bénédictions auprès de Dieu. Regardez, connaît qu'il n'est pas encore chrétien. Il n'était pas chrétien. Il ne connaît même pas Jésus. Peut-être qu'il entend le nom de Jésus, mais il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas encore reçu Jésus. Mais connaît servait Dieu. Il craignait Dieu par quoi? Par les prières qu'il faisait et les aumônes qu'il faisait également. Connaît ne connaissait pas encore Jésus, mais il était déjà proche du culte spirituel. Parce que les éléments du culte dont nous a parlé, le sacrifice, les prières, l'adoration, la louange, les offrandes, la méditation et beaucoup de choses. Donc, quelqu'un qui déjà commence à adopter et à appliquer ces choses est en train de rendre un culte à Dieu. Et Dieu connaissant, le cœur le connaît, sachant qu'il connaît l'aime réellement, mais qui n'a pas encore la voie ouverte, la voie du salut, il a envoyé maintenant Pierre vers lui. Continue la lecture. Les regards fixés sur lui. Les regards fixés sur lui. Et saisi de foi. Oui. Il répondit. Mm-hmm. Quel Seigneur? Et l'ange lui dit. Mm-hmm. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Les prières de qui? De cet homme qui ne connaît pas Jésus. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Que les chrétiens ignorent beaucoup. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens sont encore pauvres. Les grands spiritualistes ont compris cela, mais vous, vous ne comprenez pas. C'est des choses qui sont cachées. Une personne qui connaît Jésus ou qui ne connaît pas Jésus, qui s'applique à faire du bien, à faire des aumônes, ou à même donner, il n'a pas de complexe à beaucoup donner, à beaucoup investir. Spirituellement, il sera toujours riche. Et cette richesse va se manifester même dans sa vie. Voilà pourquoi vous voyez les musulmans, ils multiplient les aumônes. Ils appellent ça, comment ils appellent ça? Sarah. C'est ça, non? Sarah. Quoi? Sarah. Ah, ici, c'est autre. Saraka. Chez nous, ça s'appelle Sarah ou des Sarah, quelque chose. Voilà, déjà. Donc, ils s'appliquent à ça. Pourquoi ils connaissent les principes de Dieu? C'est des principes établis. C'est comme le soleil se lève le matin et la lune apparaît le soir. Rien ne vient changer ça. C'est parce que nous, aujourd'hui, on nous a juste dit, voilà, quand on est à Jésus, on n'a plus besoin de poser certains actes parce que le sacrifice de Jésus est l'offrande le plus parfait. Oui, l'offrande le plus parfait concerne ton salut. L'offrande le plus parfait t'a sauvé, t'a racheté. Mais pour avoir accès à certaines grâces, la prière seule ne suffit pas. La prière accompagne des actions de grâce. La prière accompagne des aumônes fait bouger le trésor céleste en ta faveur. Amen.
Oh, Dieu veut que tu sors la main. Tu mets la main dans la poche. Tu donnes tout. La Bible de Saïda a tout donné. Elle a tout donné au prophète. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Un prophète qui est un envoyé de Dieu, c'est de Dieu. Que Dieu envoie pour essuyer mes larmes. Que Dieu envoie pour me bénir. Le prophète vient et dit, donne-moi tout ce que tu as. J'ai faim, moi je veux manger. On m'a dit que ce prophète est un égoïste. Il est un individualiste. Il s'aime lui seul, mais il n'aime pas les autres. Mais le prophète Élie savait ce qu'il faisait. Parce que Élie est un homme spirituel. Il savait ce qu'il voulait engendrer dans la vie de la veuve de Sarepta. Parce que c'est un principe spirituel. Plus tu donnes, plus tu reçois. Mais plus tu reçois, plus tu perds. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus tu reçois sans donner, plus tu perds. C'est-à-dire, toi, on te donne toujours. Tu pries, Seigneur, je veux avoir ça. Seigneur, donne-moi ça. Or, tu n'as rien donné pour que Dieu puisse aussi multiplier cela. Je vous dis, c'est un principe spirituel. Elle a donné l'huile et la farine. Mais ça s'est multiplié et ça ne finissait pas. Jusqu'à ce que toute la saison ne finisse. Jésus, au temps de Jésus, lorsque les 5000 personnes qui étaient devant lui, les 5000 hommes et les autres, les femmes et les enfants, et avaient faim parce que Jésus a passé 3 jours avec eux, qu'est-ce que Jésus a demandé? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, nourrissez le peuple. Et les disciples ne donnent rien. Et ils ont trouvé un jeune, un petit garçon qui a quoi? 5 pains et 2 poissons. Et qu'il a donné, Jésus en a fait quoi? Jésus en a fait une multitude. S'il n'avait rien donné, Jésus ne fera rien. Il ne va pas faire descendre le pain du ciel. Il ne va pas faire descendre le poisson du ciel. Il veut juste que tu donnes. C'est parce que tu es avare. Non seulement tu es avare, mais tu penses aussi à ton ventre. Tu penses à ta poche. Tu te dis, si je donne ça maintenant, demain ça va chauffer. Je veux prendre le transport. Je veux prendre le transport. Dieu même sait. En réalité, il faut donner tout. Il faut tout donner. Il faut tout donner. Parfois, je mets la main dans ma poche. Ça, c'est un exemple que je vais vous donner. J'ai mis la main dans la poche. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et je n'avais pas en esprit de donner la somme sur laquelle ma main est tombée. Et je suis tombé sur un billet de 10 000. Et le Seigneur me dit, il faut donner ça. Il faut donner. Parce que ce n'est pas ton argent, mais c'est moi qui te l'ai donné. C'est moi qui t'ai béni. Donc, il faut me rendre ce que je t'ai donné. Et je vais multiplier cela. Amen. C'est pourquoi il dit, éprouvez-moi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous allez voir comment je vais vous ouvrir les écluses des cieux. Amen. Ce n'est pas la prière qui ouvre certains blocages. Non, non, non. C'est les actes spirituels que tu poses. C'est les sacrifices que tu apportes devant Dieu. Le sacrifice est très important, je vous dis la vérité. Vous allez dire non, Jésus a fait le sacrifice, oui. Mais si vous voulez être des hommes spirituels, vous devez apprendre à vous sacrifier. Amen. Ce qui vous est cher et qui est pour vous quelque chose de grande valeur, vous devez sacrifier ça si vous voulez avoir plus que ça. C'est pourquoi lorsque le jeune homme riche est venu vers Jésus, il a dit, Seigneur, que puisse vous hériter du royaume de celui dit quoi? Vends toutes tes possessions, donne-le aux pauvres et maintenant viens et suis-moi. Comme il était égoïste et avare, il n'a pas donné. Or, Jésus voulait accomplir une loi dans sa vie, la loi de la multiplication. Plus tu donnes, plus je t'ajoute. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si le riche l'avait fait, il aura beaucoup. Il dit, tu auras des richesses et des trésors dans le ciel. Et Jésus lui a caché une partie. Et quand il a fini de refuser, il a révélé maintenant à ses disciples. Il leur a dit, celui qui abandonnera tout pour moi, il aura les terres, il aura des bénédictions, il aura des richesses dans ce monde et dans le ciel à venir. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu as sacrifié pour Jésus, tu l'as sacrifié de tout ton cœur, il va te le donner avant que tu ne quittes la terre et tu vas recevoir plus que cela. Donc n'ayez pas peur, connais. On dit, tes prières sont montées devant le trône de Dieu. Ton homme, tes hommes plutôt, sont montés au trône de Dieu.
comme un parfum. Dieu l'a vu. Dieu a vu que tu as fait un sacrifice. Parce que Dieu sait que c'est avec ça que tu veux manger. Dieu sait que c'est ça qui te garde. Dieu sait que c'est le plus important pour toi. Mais tu lui as donné. C'est un symbole qui a beaucoup de valeur dans le monde spirituel. Ça fait partie aussi du culte. Corneille n'avait pas Jésus, mais Corneille était déjà en train d'adorer Dieu. Il connaissait déjà comment le culte se passe. Voilà pourquoi, si tu t'arrêtes seulement, Jésus m'a sauvé, je suis sauvé, je suis transformé, je vais aller au ciel. Oui, c'est bon, tu iras au ciel, tu seras sauvé. Mais il y a certaines choses dont tu n'auras pas assez sur la terre. Il y a certaines bénédictions de Dieu dont tu n'auras pas assez sur la terre. Si tu ne changes pas ton raisonnement ou ta manière de concevoir ou de voir les choses, tu n'auras pas assez à certaines choses. Puis, je mets, accompagne à cela les actions de grâce. C'est la même chose que les disciples faisaient. Eux le font même mieux que nous aujourd'hui. Aujourd'hui même, on ne fait rien. C'est pourquoi ceux qui combattent la dîme, ils sont mal barrés. Parce que s'ils veulent faire ce que les disciples font, on dit, on apporte devant Pierre et tous les autres disciples, tous les biens, sans exception, tout, on apporte devant eux. Tout le produit du champ, on apporte toute la culture de l'année, tout ce que tu as, tout ce qui doit te nourrir, tu viens donner. Et on prend ce qui t'appartient, on prend tes partages, on te donne une partie. C'est ce que les disciples faisaient. Et c'est ce que Ananias et Saphira n'ont pas fait. Et le Saint-Esprit les a tués. Donc quand on vous raconte l'histoire d'Ananias et Saphira, c'est parce qu'ils n'ont pas tout donné que le Saint-Esprit les a tués. Maintenant aujourd'hui, est-ce que Dieu te demande tout? Dieu ne te demande pas tout. Il te demande ce qui est important. Ou comme ce qui est un sacrifice que tu fais. Parce qu'en le faisant, tu lui expliques déjà de façon symbolique que tu es en train de lui apporter tout. Parce que quand tu apportes ce qui est un peu cher ou qui t'est très cher, qui t'a fait mal, tu sais que je l'ai donné juste pour Jésus. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Cela reviendra toujours. C'est même appliqué scientifiquement ou mathématiquement ou même de la comptabilité. C'est ça qu'on appelle la loi de l'investissement. Quand tu investis, même si tu prends des risques, ça revient toujours vers toi. Qui connaît ça? C'est clair, c'est une loi spirituelle qui s'applique aussi dans les choses de toute la vie. Quand tu plantes, c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. C'est ce que tu plantes que tu reçois. Donc quand tu ne plantes pas assez, tu ne vas pas aussi recevoir assez. Le Seigneur va vous bénir. Je vous dis la vérité, le Seigneur, il va vous bénir. Et je déclare que sa bénédiction vous accompagne maintenant au nom de Jésus. Il va vous bénir. Donc n'ayez pas peur de ce que vous allez lui donner. Non, non, non. N'ayez pas peur de ce que vous allez sortir une pièce dans la poche. Moi, aujourd'hui, je n'ai même plus peur de ce que je vais donner ou de ce que je vais donner à quelqu'un. Parce que je sais que l'argent qui est sur moi, ce n'est pas pour moi. L'argent n'est pas papier. L'argent, ce n'est pas 10 000 francs, ce n'est pas 5 000, ce n'est pas 500, ce n'est pas 1000 francs. L'argent est un esprit. L'argent est spirituel. Donc quand tu comprends que l'argent n'est pas le billet que tu as en tes mains et tu sais que l'argent est spirituel, tu possèdes la richesse. Tant que tu n'as pas, même si tu n'as pas encore le billet, tu sais que la richesse va se manifester. Parce que tu as la richesse déjà enfouie en toi. C'est celui qui croit que l'argent est... L'argent, c'est le billet qu'il voit. C'est lui qui est pauvre. C'est lui qui ne donne pas. Parce que le billet, c'est juste quelque chose que les hommes ont conçu pour représenter l'argent. Pourquoi est-ce que Jésus appelle l'argent, comment il appelle le nom du démon? Voilà, Mammon. Parce que Mammon est le dieu qui en a été retiré dans la captivité ceux qui sont dans la recherche effrayé de l'argent. Ceux qui ont pour l'argent leur Dieu. Donc l'argent réel, c'est d'abord un esprit. Donc on ne contrôle pas l'argent lorsqu'on amasse l'argent, lorsqu'on gagne l'argent. On contrôle l'argent lorsqu'on renvoie l'argent. On l'envoie et l'argent revient. C'est comme ça. Même tout spirituellement, tout ce que tu veux avoir, il faut d'abord un sacrifice. Il faut un investissement.
investissement. Quand tu passes assez de temps dans la prière, tu es en train d'investir ton temps dans la présence de Dieu. Tu es en train d'investir ton énergie. Tu coules les larmes devant le Seigneur. Tu coules les larmes dans l'adoration, dans la prière. En retour, tu reçois quoi? L'onction. Mais celui qui ne prie pas, qui ne investit rien, qui ne s'applique à rien, ni à la méditation de la parole de Dieu, ni à la prière, il est vide. Il croira qu'il a l'onction, mais il n'a rien. C'est lui qui est le plus vide. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir aussi sortir la main et parler. Donner, même si c'est 100 francs qui te restent, tu peux donner 25 francs à celui qui n'a pas, ou même 50 francs à celui qui n'a pas. Le Seigneur va te ramener plus que cela, parce que tu as obéi à sa parole. Ou bien c'est moi qui mens. Non, c'est moi peut-être qui vous pousse à faire ce qui est possible. Si c'était moi qui vous demandais de me donner tout ce que vous devez manger ce soir, je vais dire, j'ai tellement prêché que j'ai faim. Parce que depuis le lundi, je prêche et je suis fatigué dans mon corps. Alors il faut me donner tout ce que je vais manger. Pour être rassasié. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, devant moi, vous n'allez rien dire, mais c'était, on dit, on a vu, on n'a jamais vu homme de Dieu, mais aujourd'hui, on a vu homme de Dieu. Celui-là, tellement, il est terrible même. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Donc, dans l'adoration, nous avons les offrandes qui constituent aussi des éléments du culte spirituel. C'est un culte que nous apportons à Dieu. Je ne chante pas seulement, je ne prie pas seulement, mais je donne aussi à Dieu. Dieu a-t-il besoin de mon argent? Non. Mais c'est un symbole de loyauté, de fidélité, de service, d'humilité envers Dieu. C'est pour montrer que voilà, Seigneur, je t'adore, voici par mes biens, ou encore par ma propre vie. Alléluia. Nous devons aussi savoir que l'adoration étant spirituelle aussi, ou bien le culte, se passe aussi beaucoup par les chants, par la musique et dans les méditations. Beaucoup vont se demander qu'est-ce que la musique fait dans le culte. Est-ce que la musique est importante? Est-ce qu'on a besoin de la musique? La musique en réalité est spirituelle. La musique est beaucoup spirituelle et la musique vient de Dieu. Quand on parle du culte, on parle aussi des instruments de musique qui sont ajoutés pour nous connecter à Dieu, pour nous connecter à l'Esprit de Dieu. Cela se trouve beaucoup dans les psaumes et nous allons voir cela. D'abord, vous allez me lire Apocalypse. Voilà. Apocalypse 15, verset 3. Apocalypse 15, verset 3, je l'ai dit. Quand vous allez finir cela, vous allez me lire Colossiens 3, 16. Colossiens 3, 16. Le verset 3, je l'ai dit. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est l'adoration qui continue comme ça. Tes voies sont justes et véritables. Tes voies sont justes et véritables. Roi des nations. Roi des nations. Qui ne craindrai-je, Seigneur? Ça, c'est un cantique spirituel. Et qui le glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Il nous rappelle quoi? Le cantique de Moïse qui se trouve dans Exode 15. C'est le cantique qu'ils ont chanté lorsqu'ils ont été délivrés de la main de Pharaon. Et ils ont chanté ce cantique. C'est pourquoi quand Jean a ramené cela, il dit ils chantaient le cantique de Moïse. En réalité, c'est un cantique que les anges aussi chantent à Dieu au ciel. Et que Dieu, par révélation, leur a révélé. Et ils ont chanté. Et en ce temps, même quand ils chantaient, il a écrit que Anne, la prophétesse, Marie,
Marie, la prophétesse, a pris un tambourin et commençait aussi à taper. Pourquoi? Parce qu'un cantique spirituel est aussi accompagné par la musique. C'est très important, on ne va pas lire, mais vous pouvez lire ça chez vous dans Exode 15. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Nous devons savoir que la musique est l'art de réunir des sons issus de différents instruments, les harmoniser pour sortir des rythmes ou des cadences, pour que ces cadences soient agréables à l'oreille. Les instruments de musique sont alors les éléments ou les outils qui rendent agréables les sons musicaux et donnent à ces sons un sens à la mélodie. Il y a quelque chose. Quand vous voulez connaître la spiritualité d'un peuple, voyez sa musique, voyez son genre musical, voyez sa manière d'adorer même les divinités ou de danser, vous allez connaître l'essence de sa spiritualité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Vous allez voir les peuples. Est-ce que vous voyez que tous les peuples n'ont pas les mêmes danses? Tous les peuples n'ont pas les mêmes rythmes. Tous les peuples n'ont pas les mêmes manières de chanter. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spirituel. Et la musique que nous faisons est une imposition de l'esprit ou du Dieu auquel nous sommes soumis ou du Dieu que nous servons. Donc, quand vous voyez les idolâtres chanter et taper les tam-tams, ils sont en train d'adorer des idoles. Mais leurs chants sont inspirés de ces dieux et des principes de ces dieux qu'ils adorent. Maintenant, quand ces personnes viennent au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand ces personnes qui adoraient des idoles viennent au Seigneur, ils adorent le Seigneur en esprit et en vérité, mais ils adorent le Seigneur par un genre musical que le Saint-Esprit aussi leur impose. Maintenant, je vais expliquer quelque chose très clairement pour que vous puissiez comprendre. Les rythmes, en réalité, sont des choses, sont des éléments qui accompagnent les chants que nous chantons. Chaque chant a une cadence. Chaque chant ou chaque mélodie a un temps ou un rythme ou une cadence qui doit l'accompagner pour que le chant soit agréable à l'oreille lorsque nous l'attendons ou lorsque nous le recevons. Donc, quelqu'un qui se situe dans l'ouest du Cameroun, qui a un rythme différent de quelqu'un qui se trouve ici, nous sommes où? Au littoral. Au littoral, oui. Je veux l'expression sud, c'est sud? C'est sud, le littoral. Voilà. Très bien. Nous sommes au sud ici, au littoral, et eux, ils sont à l'ouest. Est-ce que ceux du littoral ici ont les mêmes rythmes et les mêmes danses que ceux de l'ouest? Non, c'est quelque chose de différent. Pourquoi les langues aussi diffèrent? Et l'adoration aussi diffère, ou la musique aussi diffère. Parce qu'à la base, la musique n'a pas été faite pour être juste un plaisir. La musique est faite pour adorer. C'est pourquoi on adorait les divinités, ou les esprits, ou les dieux. Quand on commence à jouer un genre musical qui concerne, qui est destiné à l'esprit, ceux qui ont l'esprit en eux commencent à être saisis. Ou être touché. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent directement en eux. C'est dans ça que les esprits se manifestent. Maintenant, quand ceux de l'Ouest ou même ceux du littoral se convertissent au Seigneur, quel genre musical ils vont faire maintenant au Seigneur? Quel genre musical ils peuvent faire au Seigneur? Quand ils veulent servir le Seigneur dans le culte, quel genre musical ils vont faire au Seigneur? Parce qu'ils avaient déjà une manière de chanter, de danser. Et quand ils viennent au Seigneur, ils ne savent plus comment faire. Parce que dans le Seigneur, il faut faire les choses dans l'éthique, les choses dans la sainteté. Comment est-ce qu'ils peuvent maintenant chanter? Comment est-ce qu'ils peuvent servir le Seigneur? Est-ce qu'ils vont adopter les danses qu'ils avaient dans le monde, les danses qu'ils faisaient aux démons, aux idoles? Ils vont les adopter et les convertir pour le Seigneur? Ou bien comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça, ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Ceux qui ont dit non vont me dire ce qu'ils doivent faire. Oui, sœur, c'est la sœur Anne qui a dit non. Elle va me dire ce qu'ils doivent faire. Allez.
pour ma part, qui vont s'adapter aux musiques célestes. Qui est d'accord avec ce qu'elle dit? Et qui n'est pas d'accord? Soyons sérieux. Qui n'est pas d'accord? Quand elle dit soyons sérieux, tu dis réellement ce que tu. Voilà, ce que tu penses. Qui n'est pas d'accord? On ne va blâmer personne ici. Si tu n'es pas d'accord, tu as une raison. Et ça peut être la vérité de ton côté. Qui n'est pas d'accord? Ou qui est d'accord? Personne n'est contre ce qu'elle a dit. Ok. Donc vous êtes tous d'accord que quand nous venons au Seigneur, il nous faut un genre musical mieux adapté. Ou qui vient du Seigneur. Maintenant, il faut que je vous explique quelque chose. La musique en elle, ou l'esprit de la musique, est divin. Et Dieu l'a déjà placé en tout temps pour l'adorer. Mais c'est le diable qui a perverti les joies du Seigneur lorsqu'il a corrompu les hommes, qui a fait que les hommes, en voulant adorer Dieu, ont commencé à l'adorer. Et d'où sont sortis les rites qui ont été dédiés au diable. Sinon, la notion de la musique, ou la notion des danses, la notion des rythmes au départ, sont destinés à qui? Sont destinés à Dieu, sont destinés à l'Éternel. Donc les rythmes et les musiques qui sont destinés à Dieu se retrouvent à être au service des démons, au service du diable. Comme il y a des aliments qui sont sacrifiés, ou des choses qui sont sacrifiées aux idoles, et aussi des viandes sacrifiées à Dieu. C'est toutes deux choses différentes. Il y a des viandes qui sont sacrifiées aux idoles, et il y a aussi des viandes qu'on sacrifie à Dieu. Il y a des danses qui sont dédiées aux idoles, et il y a des danses qui sont dédiées à Dieu. C'est pourquoi je dis l'adoration, c'est dans la connaissance de celui qu'on adore, du Dieu qu'on adore. Maintenant, je vais prendre un exemple. Je suis en train de danser pour le Seigneur. Ma soeur Anne m'a dit que je dois avoir les danses célestes, puisque j'ai maintenant l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et, excusez-moi, je suis quelqu'un du nord, ou bien du centre, ou de l'ouest, ou du littoral. Et je commence à danser. Est-ce que dans ma danse, on voit une danse des anges, ou une danse céleste, ou bien on voit transparaître par ma danse, la danse qui se passe à l'ouest, qui se passe au littoral, ou qui se passe au centre, ou même au nord? Qui comprend la question? Qui comprend la question? Je suis en train de dire, un païen qui est Bamileke, c'est l'ouest, non? Qui est de Douala? Qui est du nord, de n'importe quelle zone du Cameroun? Qui dansait déjà? Il avait une manière de danser, de servir Dieu. Quand il est venu à Jésus, il faut qu'il continue de servir Dieu. Parce que dans le culte de Dieu, il y a les danses. Il y a les danses, c'est ça qu'on appelle souvent les rites, les danses et tout ça. Ça fait partie de la spiritualité de chaque peuple. Maintenant, nous sommes sortis des traditions des hommes pour adorer Dieu. Et que cette personne vient à Christ et on chante et on lui demande de danser pour Dieu. Comment cette personne va réagir? Comment est-ce qu'il va faire? En réalité, cette personne va danser pour Dieu. Elle va danser. Mais ce qui va la différencier d'une personne qui est restée parée, qui n'a pas la connaissance de Dieu, c'est que lui, sa danse et les chants de sa musique sont maintenant destinés à Dieu et au Seigneur. Ça veut dire quoi? Vous pouvez voir une personne du Nord ou une personne du centre, je ne sais pas, bon, qui est camerounais quand même, qui a une danse de son village. Quand il est converti, quand il dit de danser, il ne connaît plus rien d'autre que ça. Est-ce que vous me comprenez? Quand il commence à danser, il danse toujours comme les gens de son village. Vous tous êtes ici, vous dansez comme les danses de votre village, ou bien? Ah, vous ne comprenez pas. Il y a un chant qui dit, les vivants louent le Seigneur, les vivants louent le Seigneur. Comment est-ce que vous dansez ça? David, tu peux m'aider? On va faire une démonstration.
chante et le frère David va nous montrer comment lui il danse, les vivants louent le Seigneur. Hein? Qui tape, dame. Qui tape encore comme lui? Ok, petit Caleb, frère Caleb, il faut nous aider. Attends, Nicolas. Je t'avais dit de préparer pour ces 3 saisons. Si tu es vivant, les vivants louent le Seigneur, les vivants. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ok, comme vous voyez. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Tu joues le même chant, mais autrement. Vous avez vu comment il a dansé, non? Vous avez gardé ça, non? Il faut jouer encore. Si vous en faites partie du culte spirituel, joue ça encore. Et vous allez chanter. Tu joues l'autre, une autre façon de le faire. Peut-être comme tu es, de la manière dont tu es inspiré. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Ici, la danse aussi a changé. Mais il y a quelque chose que je veux que vous ressortez dans ça. Quand ils dansaient, est-ce que c'est une danse céleste que vous avez vue? C'est une danse d'où? C'est une danse hein? De quel pays? Du Cameroun? De quelle culture? De quel lieu? Du centre. T'as vu, tu es d'où? Ah. Maintenant, est-ce que c'est une danse de Jésus qu'il a fait? D'abord à la base. Non, à la base. Si un Français vient, il ne saura pas ce qu'il est en train de danser. Moi, je n'ai pas su, mais je sais que ce n'est pas de chez nous. Je sais que c'est ici au Cameroun que ça se passe. Et vous, quand vous êtes là, vous avez su qu'il danse une danse du centre. Mais la différence, c'est qu'il ne danse pas pour les démons ou pour les diables. Quand nous allons partir au centre, nous allons voir les mêmes des gens du centre qui vont danser exactement comme ça. Mais en train de tapoter, en train de faire des libations pour les démons. De même qu'il a, il y a des sacrifices, il y a des offrandes qu'on offre aux démons, il y a aussi des sacrifices et des offrandes qu'on offre à Dieu. De même qu'il y a cette danse qui se fait aux démons dans les villages, nous, il y a cette danse qui est offerte, qui est donnée à Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il faut que vous compreniez quelque chose. Quand nous disons d'éviter les rites mondains ou les rites traditionnels et tout ça, en réalité, nous sommes en train de vouloir impliquer en vous que l'adoration du monde ou l'adoration du diable ou des démons ne doit pas se faire en Jésus. Mais dès lors que nous avons franchi la barre, que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes venus dans le Seigneur, les danses que nous faisons ou les rites que nous déployons, nous les faisons pour le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Donc la danse que David vient de faire, quelqu'un peut voir, il va dire, c'est la danse du serpent, c'est la danse de telle, telle. Mais moi, je ne danse pas pour le serpent. Parce que le fait que le fait a joué le tam-tam, je dois danser. Parce que quand il joue, ça doit susciter quelque chose en moi.
Or, en dansant, quelqu'un qui est de notre peuple, que mon cœur, qui n'est pas le mien, quand il va me voir, il va dire, mais dans moi, mon village, c'est au Dieu de la foudre qu'on danse comme ça. Mais moi, ma conscience étant renouvelée et changée, je ne connais pas le Dieu de la foudre. Donc, je danse pour Jésus. Moi, je danse pour Jésus. Regardez comment David a dansé. Il ne peut plus, il ne peut pas danser une autre danse qui ne soit ça. Mais il a appris tout. Il a appris de la nature. Il a appris de l'environnement où il est né. Voilà comment quelqu'un du Nord, quand il va venir, il va danser autrement. Mais il danse toujours pour Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça fait partie aussi de l'adoration. Tu peux t'asseoir. Mais nous, aujourd'hui, quand nous le faisons, nous le dédions directement au Seigneur. Parce que tout ce qui vient et sort de nous est considéré comme donné et rendu à Dieu et à lui uniquement. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Quand on vient chez nous au Bénin, nous, nos danses sont totalement différentes des danses que vous faites ici. Et puisque nous sommes issus de plusieurs peuples, de plusieurs traditions, ou même de plusieurs villages ayant des adorations qui sont contraires à Dieu, et aussi des danses qui sont issues des langues que nous parlons. Parce que quand quelqu'un danse, il faut retrouver dans sa danse la langue qui parle. Parce que la langue influence la musique du milieu, influence le genre musical, influence la danse, influence la manière de réfléchir ou même de penser de la personne. Donc David, il a dansé. Il est serviteur de Dieu. Mais il a dansé la danse des gens du sang. Comment on les appelle? Les bétis. Les bétis. Voilà, il a dansé la danse des bétis. Mais il est sauvé. Hein? Mélangé avec les bassins. Voilà, avec les bassins. Mais il est sauvé quand même. Où est-ce qu'il a appris ça? Ce n'est pas Jésus qui lui a appris ça. Non. C'est sa famille. Ou bien ce qui... On ne l'a même pas appelé pour lui apprendre. Non. C'est inné. C'est le sang qui lui fait réagir comme ça. Donc moi, quand je vais commencer à danser, ce sera étrange à vos yeux. Pourquoi? Parce que ma manière de danser n'est pas de votre culture ou n'est même pas de votre manière de voir ou de penser. C'est là que Dieu est le Dieu de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Parce qu'il y a une diversité, mais Dieu rassemble toute cette diversité et il met ensemble pour pouvoir nous servir et l'adorer. Donc, tu peux recevoir une danse du ciel. Et tu danses. Mais assure-toi que sur la terre, il y a un peuple qui danse exactement ces danses que peut-être tu as reçues par révélation. C'est pour dire qu'il n'y a pas une danse particulière qui soit une danse céleste. Non. Toutes les danses, les langues que nous avons sont issues de la sixième du Seigneur, mais sont de nos coutumes ou de nos cultures qui maintenant nous influencent. Mais nous, ce qui est important et différent, c'est que le nom que nous invoquons, que nous adorons, n'est pas le diable. Amen. Mais que c'est Jésus que nous adorons. Amen. Quand il a dansé à la gloire de Dieu. Paul dit, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc je danse. David a dansé, il a enlevé son vêtement. Est-ce que vous savez la danse que David a dansé? Si on vous montre David même, peut-être vous allez crier que David est en train de danser une danse du monde. Parce que le fait de danser, quand je commence à danser, j'enlève mon habit, peut-être que je roule déjà par terre. Or, chez nous, quand tu roules par terre, on t'appelle Zangueto. C'est les Zangueto, les Quitor, les esprits des revenants, les esprits de nuit qui roulent par terre ou qui dansent par terre. Mais aujourd'hui, je peux danser pour Dieu et comme je sais qu'il est tout pour moi, je me prosterne devant lui. Je roule par terre pour lui. Je me colle même par terre pour lui. Parce que je n'ai même plus la notion que je suis en train de danser pour le diable. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le français, quand lui, il veut danser, lui ne danse même pas. Lui, il aime toujours les chants qui sont calmes. Ou bien, c'est comme ça qu'il fait. Mais vous ne pouvez pas voir un français dire, non, quoi, toi, tu ne sais pas servir. Dit, non, c'est en réalité son sang qui lui impose ça. C'est dans ses gènes. Et Dieu reçoit ça parce que Dieu, il reçoit l'adoration de toutes les nations et de tous les peuples. Surtout quand nous le faisons en esprit. Ce qu'il veut, c'est que l'adoration soit faite en esprit. La danse que David vient de faire, c'est la chair qui l'a manifestée. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les langues que nous parlons, c'est dans notre sang. C'est la chair qui l'a manifestée. Mais l'esprit qui est derrière ce qu'il est en train de faire, c'est de rendre gloire à Jésus. Quand il est vivant, loue le Seigneur. Et comme on est en train de taper,
il faut quelque chose, une danse pour aller avec. C'est pourquoi qu'elle a changé le rythme, la cadence, sa danse a changé ici. C'est comme ça, ça se passe. Mais il faut que sa danse soit faite pour le Seigneur et non pour le diable. Pourquoi nous ne sommes plus sous le joug du diable, nous n'adorons plus le diable. Donc, quand vous dansez, dansez pour Jésus. Dans votre esprit, vous dansez pour Jésus. Vous ne dansez pas pour le monde. Tu peux danser aujourd'hui, tu vas sortir, tu vas voir dans un bar quelqu'un en train de danser la même danse. Ce n'est pas que tu es en train de danser la même danse mondaine, non. Ce que David a fait, ça ne se fait pas dans les bars. Non, ou bien c'est moi qui mens. Ça se fait dans les bars, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que ça se fait dans les bars que je ne vais plus danser. Parce que finalement, ça te change tellement que pour danser, même pour Dieu, tu ne sais pas comment tu vas danser. Tu ne sais pas ce que, comment tu vas danser. La mondanité, nous ne voulons pas. Mais en réalité, nous devons nous libérer dans la présence du Seigneur, le danser pour lui, le servir. On dit, Jésus, quand Jésus est né, tous les anges sont venus, ils l'ont adoré. Les anges dansent, même le Seigneur danse. Parfois, il y a des prophéties où dans les manifestations, l'Esprit du Seigneur dans le corps des personnes danse. Mais dans la vie spirituelle, ce sont des danses que la personne déjà faisait quand elle était païenne ou même qu'on faisait dans son village. Ça veut dire quoi? L'Esprit en lui sait qu'il veut danser. Mais comme le corps est habitué à faire comme ça, je ne sais pas si vous comprenez. Quand l'Esprit danse en lui, le corps va faire comme ça. Et vous allez voir peut-être, et vous, comme vous n'êtes pas spirituel et mature dans la sagesse de Dieu, vous allez dire c'est un démon qui se manifeste. Or, c'est bien sûr le Saint-Esprit qui se manifeste. Donc il faut d'abord rechercher cette personne. Comment on danse chez lui? Comment on danse chez lui? Parce que ce que David vient de faire, c'est une danse qui se fait dans les coutumes, dans les familles. Et c'est ce qu'il fait toujours quand je le vois dans les images, c'est ce qu'il sait faire. Et c'est ce qu'il continuera toujours à faire. Pour le faire, Isaac Daniel, il peut, s'il est descendu, il va danser comme lui-même. S'il n'est pas descendu, il va aussi danser autrement. Donc nous dansons pour le Seigneur. Toutes les danses que nous le faisons pour le Seigneur. Parce que quand nous venons en Christ, nous revêtons un habit nouveau. Et tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Nous mangeons pour le Seigneur. Nous chantons pour le Seigneur et pour sa gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui est éclairé? Amen, amen, acclame le Seigneur. Vous allez lire, je vais vous donner des versets que vous allez lire à la maison. Parce que si vraiment je continue maintenant, ce n'est pas du tout bien. 1 Chronique 15, dans 1 Chronique 15 et aussi dans 1 Chronique 16, on nous montre comment l'organisation des chants est représentée. Comment David représente l'organisation des chants. Et David étant un grand musicien, un grand chanteur, sait comment organiser, orchestrer et rassembler tous les chanteurs pour pouvoir adorer Dieu. Parce que l'homme spirituel est aussi musicien, parce que la musique est spirituelle. C'est pourquoi quand le roi Saül était hanté par un esprit mauvais, qu'est-ce qu'il a désenvoûté? C'était la harpe de David. Parce qu'il avait besoin de l'âme. Élisée voulait prophétiser. Qu'est-ce qu'il a aidé à prophétiser? C'était un joueur de harpe qui est venu avec la harpe. Pourquoi? Parce que quand la musique descend, même les notes de la musique, les notes de la musique constituent des niveaux spirituels qui ouvrent notre esprit pour que nous puissions comprendre les choses, avoir des révélations ou même des connaissances. Parce qu'Élisée sait que s'il n'y a pas la harpe dans cette condition, il ne peut pas prophétiser. Donc quand la harpe descend, la harpe commence maintenant à lui fredonner les paroles de Dieu, les révélations. Parce que dans les notes musicales, c'est comme s'il y a des paroles de Dieu ou des révélations que Dieu donne. Voilà pourquoi les anges aiment beaucoup la musique, aiment beaucoup les instruments de musique. Et dans l'Apocalypse, on nous dit aussi que les saints avec les anges tenaient chacun une harpe et ils jouaient.
Même si tu ne sais pas jouer ici, au ciel, tu vas jouer pour Dieu. Amen. Au ciel, tu vas jouer pour le Seigneur. Amen. Et dans la musique, il y a une connaissance que beaucoup n'ont pas, que vous n'avez pas. C'est qu'il y a trois grandes clés qui font toute la musique, qui régissent toute la musique. Et c'est confirmé réellement dans la parole du Seigneur. Il y a ce qu'on appelle la clé de sol. Qui connaît ça? Qui a fait la musique une fois? Il y a la clé de fa. Et il y a aussi une autre clé. Merci, Do. Très bien, acclamez le Seigneur pour vous-même. Ah, il y a des musiciens là. Non, on représente qui? Non, on représente quoi? Non, Do spirituellement représente quoi? Do, c'est la fondamentale dans la musique. Or, la fondamentale, c'est qui? C'est Jésus. C'est le fondement. Donc, Do représente le fondement. Donc, tout commence dans la musique, tout commence par la fondamentale d'abord. Commence par le majeur et par le fondement. Et Do représente le Seigneur. Et la clé de Fa et la clé de Sol représentent deux anges qui tiennent l'arche de l'alliance, qui sont les deux chérubins de la gloire qui couvrent l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est avec ces deux anges protecteurs de la gloire, que Dieu s'est manifesté à Abraham. Et Abraham les a vus, il a reconnu le Seigneur au milieu d'eux. Donc, ces anges sont des grands musiciens au ciel et qui fredonnent des musiques, des mélodies spirituelles à Dieu. Donc, nous devons aussi apprendre à méditer spirituellement des mélodies pour le Seigneur. Dans la méditation, tu demandes au Seigneur de te donner l'inspiration, de lui créer des chants, de lui créer des musiques. Et quand tu entres en intimité avec Dieu, tu commences à chanter, que ce ne soit pas des chants charnels, des chants que tu connais forcément, mais des chants spirituels que tu chantes. Yes. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle des chants en langue. Il y a le parler en langue, il y a le parler des langues des hommes que nous ne connaissons pas, mais que Dieu nous donne, qui sont des langues parlées ailleurs, dans d'autres mondes. Et il y a aussi le chant en langue. Donc nous pouvons être en train de chanter, mais des langues qui sont codifiées. Et c'est à celui qui a le même esprit que nous que Dieu peut donner la révélation de comprendre toutes ces choses, d'avoir accès à toutes ces connaissances. David, dans tous ces psaumes, nous demande de louer le Seigneur avec le son de la trompette. Dans le psaume 153, il dit bien la trompette, le luth et beaucoup d'éléments. Dans même Apocalypse 5, notez, vous allez lire à la maison, Apocalypse 5, 8, on nous parle des êtres vivants qui ont chacun l'arbre entre les mains et qui adorent Dieu avec cela. On a aussi dans Apocalypse 15, 2, tous les saints, tous les saints rassemblés avec les anges qui ont entre les mains des arbres et qui adorent Dieu. Nous devons savoir qu'il y a un grand mystère quand on adore Dieu avec des instruments de musique. Ce mystère, c'est que Dieu se connaît à nous par les sons des mélodies de cette musique, de ces instruments de musique. Et la musique est aussi un grand moyen par lequel on se connaît à l'esprit ou au monde spirituel. Mais nous, ce n'est pas le monde spirituel de Satan, mais c'est le monde spirituel de Dieu. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Nous sommes à 21h31. Il y a un élément qu'il faut que j'ajoute avant qu'on le termine. La notion du Dieu des esprits des prophètes. Je l'ai expliqué tout au long. Qui sait que je l'ai expliqué un peu tout au long? Comment Dieu a marché avec les prophètes et son nom. En tout cas, tout ce que je dis depuis, c'est des choses prophétiques. Qui sait, qui a compris cela? Qui a compris ça? C'est un enseignement spirituel même qui est beaucoup prophétique. Qui comprend ça? Qui comprend? Personne ne sait. Pourquoi? Personne ne sait. Personne n'a compris. Tout ce que je suis en train de dire, de développer, même si je ne parle pas du Dieu des prophètes, en réalité, c'est que je suis en train d'expliquer en réalité le Dieu des esprits des prophètes. On va lire dans Apocalypse 2, verset 6. Et on va vite finir parce qu'on est avec Dieu, notre Dieu. Qui est béni aujourd'hui?
qui a reçu assez de choses, qui a l'intelligence renouvelée, acclame le Seigneur Jésus. Colossiens 3:16. Les cantiques spirituels sont aussi liés au culte de Dieu. Les cantiques, quand tu chantes les cantiques de Dieu sous l'inspiration de la grâce, Colossiens 3:16. Oui. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Oui. Instruisez-vous, oui, et exhortez-vous les uns les autres, mm-hmm, en toute sagesse. Oui. Par les psaumes. Par les psaumes. Oui. Les psaumes. Mm-hmm. Par les hymnes. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu veux élever ton niveau spirituel, ton esprit, va lire les psaumes. Commence à lire les psaumes. Lis seulement les psaumes. Tu seras un homme hautement spirituel. Parce que les psaumes sont très puissants. Qui promet de commencer à lire les psaumes à partir d'aujourd'hui? Alléluia. Continue. C'est un secret que je vous donne. Les psaumes et aussi les cantiques et les proverbes, mais beaucoup plus les psaumes. Vas-y. Par les psaumes. Mm-hmm. Par les hymnes. Par les hymnes. Par aussi. Mm-hmm. Par les cantiques spirituels. Cantiques spirituels. Ce que j'aime, ça vient. Hein? Chantant à Dieu. Chantant à Dieu. Dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. Sous les. On ne peut rien chanter, on ne peut rien faire si ce n'est sous l'inspiration de la grâce. Nous chantons et nous voyons le salut. Nous chantons dans le salut qu'il nous a accordé. Nous chantons des cantiques spirituels dans le, à cause du salut, du grand salut que Dieu nous a donné. Donc à partir d'aujourd'hui, comment à développer ton esprit pour que ton esprit chante des cantiques spirituels. Quand tu dors, que ton esprit soit en adoration. Que même quand tu marches, que tu sois toujours en adoration. Que tu sois toujours dans la méditation, la réflexion. Parce que les hommes spirituels sont ceux qui réfléchissent beaucoup. Les hommes spirituels sont ceux qui ont la science de la réflexion. Vous pouvez voir ça dans Proverbe 8. La science de la réflexion est pour les hommes qui travaillent avec la sagesse de Dieu et qui sont beaucoup spirituels. Ils réfléchissent avant de construire quelque chose. Et c'est par cette science que tous les psaumes ont été écrits. David, on ne l'avait pas amené quelque part d'extraordinaire. C'est pas qu'on l'a ravi en esprit, non. Mais David, par la méditation dans son esprit, il connaît les choses de Dieu. Parce que je vous ai dit tout au long du séminaire que l'esprit de l'homme connaît Dieu. L'esprit, on n'a pas besoin de lui dire ça, c'est ça. Donc quand tu déploies ton esprit, tu vas connaître des choses profondes sur Dieu que tu n'as pas forcément besoin de lire dans la Bible. C'est après que tu vas voir, waouh, c'est même écrit. Parfois le Seigneur me dit des choses, m'enseigne des choses. Je comprends des choses et après en lisant la Bible ou même en écoutant un enseignement d'un homme de Dieu, je découvre cela, je dis waouh. Donc ce que je concevais dans mon esprit, c'était une vérité biblique, c'était une parole de Dieu qui pouvait me libérer. Donc à partir d'aujourd'hui, croyez que le Seigneur agit dans votre esprit, par votre esprit, il peut vous communiquer beaucoup de choses. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Donc Apocalypse 22:6, quand on parle du Dieu des esprits des prophètes, oui. Le nom de Jésus. Oui. Et il me dit. Oui. Ces paroles sont certaines et véritables. Oui. Et le Seigneur. Oui, le Seigneur. Le Dieu des esprits des prophètes. Oui. A envoyé son ange. Oui. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Il a envoyé son ange pour montrer à son serviteur les choses qui doivent arriver bientôt. Comme il dit dans Amos 3:3, le Seigneur, l'Éternel ne fait rien. 3:16. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand on parle des esprits des prophètes, en réalité, ce n'est pas d'abord l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Ou bien le Dieu des prophètes. C'est encore la même chose dans 1 Corinthiens 14, 32, où on dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Est-ce que vous comprenez? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Souvent, il y a beaucoup qui font l'amalgame, qui font la confusion entre l'esprit de Dieu qui est soumis aux prophètes
et l'esprit des prophètes qui est soumis aux prophètes. Ici, ce n'est pas l'esprit, le Saint-Esprit qui est soumis aux prophètes. Ce n'est pas de ça que tu parles. Mais c'est l'esprit du prophète lui-même qui lui est soumis. Ça veut dire quoi? Cette personne peut dompter son esprit pour que son esprit soit, lui soit soumis et obéisse maintenant à l'esprit de Dieu. Donc le Dieu des esprits des prophètes, c'est ce Dieu qui travaille avec l'esprit de tout le monde et qui fait de nous tous des prophètes. Il fait de nous tous des messagers. C'est pourquoi après qu'on parle du Dieu des esprits des prophètes, on dit qu'il a envoyé son ange. En réalité, rien n'est utilisé au hasard. Quand on dit le Dieu des esprits des prophètes, on est en train d'annoncer une parole ou bien une fonction prophétique de Dieu. C'est pourquoi quand on dit le Dieu des esprits des prophètes, on dit a envoyé son ange. Parce que c'est le Dieu des esprits des prophètes qui envoie. Donc nous sommes tous des esprits. Et Dieu fait de nous tous des prophètes, ses prophètes. Spirituellement, nous sommes à la fois des chantres, et nous sommes aussi des prophètes. Dans le nouveau sacerdoce, il n'y a plus de chantres à part. Si vous comprenez. Amen. Il n'y a plus de chantres qui ont reçu le ministère de chantres à part. Mais nous sommes tous des chantres et des adorateurs. Amen. Parce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc le ministère de chantres, c'est important. Parce que tu reçois une vocation. Mais nous sommes tous capables d'adorer le Seigneur, de chanter pour le Seigneur. Nous permettons qu'il y ait des gens qui soient séparés, qui soient consacrés à ça, pour que ça soit beaucoup plus respecté et pour que ça donne quelque chose de potable. Sinon, je peux venir un dimanche et je vais demander au frère Joseph de conduire l'adoration. Je vais demander à notre maman qui est derrière, donnez-nous votre nom. Non, vous. Votre nom? Marise. Nous pouvons demander à la maman Marise de conduire l'adoration jusqu'à la fin parce qu'elle est une adoratrice. Nous pouvons demander à n'importe qui. Nous pouvons demander même au serviteur de Dieu, Junias, de conduire l'adoration. Pourquoi? Il est aussi un adorateur. Parce qu'il a fait de nous tous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous aussi des chantres. Il a fait de nous des adorateurs. Il a fait de nous des prophètes. Et tout ça se passe en esprit. Mais pour que les fonctions soient respectées, il a attribué à certaines catégories de personnes. C'est comme quoi? Nous sommes tous appelés à être ça. C'est que nous sommes capables d'être en même temps des prophètes ou des messagers de Dieu. Parce que quand je parle des prophètes, je parle des messagers de Dieu. Nous sommes tous capables d'être aussi des adorateurs, mais parmi nous, pour que les tâches soient diversifiées, pour que chacun puisse prendre cela au sérieux. Et que l'œuvre de Dieu marche, Dieu sait les choses. Il donne une partie à d'autres, il donne une partie à d'autres, il donne une partie à d'autres. Et c'est lorsque nous respectons le culte, nous sommes dans sa présence et dans l'adoration, que toutes ces choses se manifestent en nous. Et que nous vivons réellement ce qu'est le Dieu des esprits, des prophètes. Et ce Dieu même, c'est le Dieu qui parle dans 1 Pierre 1, 10, 13. On va essayer de finir par là. 1 Pierre 1, 10, 13. Un Pierre, un jugement de Jésus. Pierre, wow. Apôtre de Jésus-Christ. C'est la sanctification. En tout cas, on va renvoyer ça au dimanche. On va continuer. Il y a le thème du dimanche, mais on va renvoyer ça au dimanche. Parce qu'on doit aussi parler de la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne peut adorer Dieu. Il nous a dit que les souverains sacrificateurs devaient faire quoi? Des exercices d'ablution avant d'entrer dans le lieu saint une fois par an, n'est-ce pas? Une fois par an. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de sainteté, beaucoup de sanctification, parce que la gloire est tellement forte et tellement grande. On nous dit que nous sommes l'habitation. Nous aujourd'hui, nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dans Éphésiens 2, lisez-moi le verset 22, je vais voir. On nous dit que nous sommes l'édification de Dieu et nous sommes aussi l'habitation de Dieu en esprit. Après, là où on vous a dit que vous avez été baptisé sur le fondement des apôtres.
Très bien. Éphésiens. Oui. À partir du verset 22. Vas-y. À lui. Oui. À lui, vous êtes aussi édifiés. Oui. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Donc ce Dieu que les sacrificateurs, avant de voir, il faut qu'ils se sanctifient avant de pouvoir entrer même dans le lieu où il va offrir, présenter les prières, les offrandes, ou même les sacrifices tout devant Dieu. Il faut qu'ils se lavent, il faut qu'ils se suent. Ça, c'est selon le rite de Moïse. Dieu a enseigné par là que nous ne pouvons pas entrer dans sa présence si nous ne nous sanctifions pas. Or, ton esprit, c'est la demeure de Dieu, où Dieu doit habiter. Donc, dans ton esprit, il ne doit y avoir rien de souillé, il ne doit y avoir rien de pur. Ton esprit, tu dois le garder pur. Tu dois rester toujours dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, les anges, tu ne peux pas rester avec le mouvement angélique. Les anges vont te fuir. Parce qu'il y a des anges qui ne restent qu'avec ceux qui se sanctifient. Parce que les anges ne supportent pas la saleté et l'impureté. Or, lorsque nous entrons dans l'adoration, les anges sont autour de nous. Ils nous gardent, ils nous protègent. Et c'est par là que Dieu opère les prodiges. Ils nous donnent des messages et nous révèlent des choses. Donc, si on n'est pas dans la sanctification, on est exposé spirituellement. On peut attirer par notre adoration des démons. Tu es en train d'adorer, mais tu attires des démons qui viennent de toi. Parce que ce que tu dis, en réalité, lorsque tu adores, n'est pas ce qui sort, mais c'est ce que tu es, ce que tu représentes. Parce que l'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Et quand tu viens en présence du Seigneur, tu t'exposes au monde spirituel et tu montres ce que tu es. Donc si tu présentes la sainteté, tu vas attirer des esprits sales, des esprits souillés, des démons qui viendront aussi recevoir ton adoration. Tu peux penser à adorer Dieu, mais un grand risque, c'est que tu es en train d'adorer les démons. Donc ça, il faut vraiment que la sanctification soit au haut niveau. Au haut niveau. C'est la chose même qui nous fait demeurer longtemps dans l'onction, longtemps dans la présence de Dieu, longtemps dans les choses de Dieu. Parce que sans ça, tout ce dont on a parlé depuis le début jusqu'à maintenant n'a pas d'importance. Et tout ce dont on a parlé aujourd'hui, sans la sanctification, n'a pas d'importance. Mais nous devons savoir que cette sanctification, nous la trouvons dans le Seigneur. Et le Seigneur nous demande aussi à exercer des exercices sur nous-mêmes pour que ce qui nous sera un obstacle de pouvoir être visité par lui soit ôté. Alléluia. Amen. Finissez avec 1 Pierre 1, 10, 13 et nous allons continuer. 1 Pierre, le nom de Jésus. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Oui. À ceux qui sont étrangers, oui, et dispersés dans le monde. La Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Non, tu lis quel livre? 1 Pierre, verset 1, verset 10 et verset 1 Pierre 10 à 13. Ça, c'est un autre livre. Ça, c'est Acte, non? Non, c'est Pierre. Non. J'ai dit 1 Pierre. Il faut bien vérifier. Oui, 1 Pierre. 10 à 13. Ah, on va partir du verset 10. Ok. Les prophètes. Quand je dis 1, je disais le chapitre 1. Oui. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est le même Esprit qui a parlé à Moïse, qui a parlé à Abraham, qui a parlé à tous les patriarches, tous les anciens, c'est le même esprit. Et comme j'ai dit, il ne s'était pas révélé sous son nom direct, mais il donnait un attribut. Je suis l'éternel, je suis le Dieu. Je suis le Dieu qui était, qui est et qui vient. Il se révèle toujours. Mais nous, aujourd'hui, nous avons un nom par lequel nous sommes sauvés. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on nous dit toujours, ceux qui invoqueront ou celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais nous, aujourd'hui, nous avons ce nom qui est avec nous, qui est à notre disposition. Alléluia. Amen. C'est bon?
Il faut finir et on va bénir le Seigneur. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous avez annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges les ont plongé leur regard. Vous voyez que les choses du Saint-Esprit, les anges ne sont jamais absents. Est-ce que vous voyez? On dit, ces choses qu'ils ont reçues, vous êtes aujourd'hui les dispensateurs de ces choses. Et les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi je disais que les anges ne voyaient pas. Et c'est quand Jésus s'est manifesté que les anges l'ont vu. Parce qu'ils désirent aussi plonger leur regard dans ce qu'on nous a remis en nous, pour que nous soyons les dispensateurs. C'est pourquoi il a fait de nous tous des esprits. Et il nous appelle les esprits des prophètes. Nous sommes tous des prophètes au service du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il peut nous envoyer comme des messagers pour aller annoncer sa parole, pour aller donner des prophéties, ou même pour aller parler de sa part. Parce que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Alléluia. Au verset 13, oui? C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Oui? Soyez sauve. Et ayez une entière espérance dans la grâce. Ayez une entière espérance dans la grâce. Dans la grâce qui vous sera apportée. Qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si vous demeurez faible, si vous faites selon l'esprit votre adoration, si vous adorez Dieu réellement, si vous vous sanctifiez, si vous marchez avec lui. Réellement, soyez dans la même condition. Ne soyez pas dans la crainte, mais soyez dans la condition qui vous prendra lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia.